Maxi Brenaï, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Déjà, merci à Thinkerview de m'avoir invité. Je suis très content. Merci à toi, Sky. Je peux mettre un visage sur un nom. Et donc, c'est une chaîne que je suis à peu près depuis un an et demi. Et donc, je m'appelle Maxime Renaï. Je suis auteur d'un livre qui s'appelle « Là où est l'argent », donc édité chez Les Arènes, qui est sorti en avril 2019, et qui parle en fait de mon témoignage, enfin qui est mon témoignage dans la finance offshore à Jersey, puis au Luxembourg, donc dans un cabinet d'avocats, puis ensuite dans une grosse banque américaine. Et en parallèle, donc je renseignais les services secrets français, donc la DGSE, de 2007 à 2012, et je l'ai fait de façon bénévole, en tout cas pour, pas pour mon travail, mais en tout cas pour renseigner la DGSE. Et depuis, j'ai aussi lancé une plateforme avec mon frère Alexandre. Donc la plateforme s'appelle lanceuralerte.org, donc en un seul mot sans D, lanceuralerte.org, qui a pour but de révéler des affaires sur des milliardaires français, des multinationales, des politiques, et de partager ces informations avec le grand public et aussi des médias alternatifs. Et on a commencé aussi à attaquer juridiquement certaines multinationales avec mon frère via lanceuralerte.org. Bon, on se détend, ouais. On va okay. on va faire les présentations plus gentiment. Quel âge ? J'ai 40 ans. 41 ans, pardon. 41 ans, originaire de Bezac, Besançon. Bezac, oui. C'est une région qu'on connaît bien, on leur passe le bonjour d'ailleurs, des gens absolument formidables là-bas. Ouais. Donc, on va se tutoyer. Oui, bien sûr. Donc, je crois que tu es un des seuls gars que je puisse connaître qui n'a pas été tamponné par les services. C'est toi qui les as approchés. Oui. Parce que tu t'es rendu compte dans ton activité professionnelle qu'il y avait des choses qui se passaient et que tu avais envie de communiquer ces informations pour l'intérêt général, oui, et pour ton pays, dans le bon sens du terme, parce que tu trouvais ça quand même ahurissant. On va faire attention, parce que comme on est en direct, on va éviter toutes les diffamations, oui, et oui, tout ça. Oui, très attention. Oui. On va commencer le début de l'interview par ton expérience avec les services, ton expérience avec le monde financier. On va rentrer un peu plus dans le détail. Prends tout ton temps. On a le temps ici. Donc, okay. Nos stress, relax, respire profondément, tout va se passer. Mais normalement, ils ont dû te former, la DGSE, pour pouvoir avoir un interrogatoire qui se passe bien, non ? Non, pas sur l'interrogatoire, non. D'accord. On va poser tout de suite cette question. Oui. Quel type de formation les services t'ont dispensé pour faire de l'interception de renseignements ? Alors, je te repose la question, parce que en écoutant en fait ton parcours, il y a quelque chose que j'ai pas réussi à saisir. Tu étais honorable contributeur ou agent de la DGSE ? Alors, en fait, dans les agents secrets, en fait, t'as les fonctionnaires, donc les officiers traitants que je voyais de façon très régulière, mon officier traitant qui, j'en ai eu 5 durant toutes ces années. Et dans l'imaginaire, grâce aux films, à Hollywood et tout ça, on pense que l'espion, c'est uniquement le fonctionnaire d'État. Or, l'espion, c'est celui qui espionne, c'est le fonctionnaire d'État, évidemment, l'officier traitant, mais c'est aussi celui qui espionne pour l'officier traitant. Donc moi, en l'espèce, j'espionnais pour la DGSE, mais je n'étais pas fonctionnaire de l'État. Donc pour répondre à ta question, j'espionnais pour la DGSE, mais je n'étais pas fonctionnaire. Honorable correspondant, alors c'est vrai que ça peut se poser la question, puisque je n'ai pas été payé, j'ai pas demandé à être payé pendant toutes ces années, je ne voulais pas être payé. Mais un honorable correspondant, il donne des infos de façon régulière, mais il participe pas à des actions plus précises. On peut en parler plus tard, par exemple, quand la DGSE cherche à me remplacer au sein de la banque dans laquelle je travaille. Au Luxembourg, ce type d'opération se fait, c'est de l'espionnage pur. Tu montes pas une opération comme ça avec un honorable correspondant. Et puis, on développera aussi, on a une relation forte qui s'est développée entre mes officiers traitants, femmes et hommes, durant ces 5 années. Qu'est-ce que tu appelles une relation forte ? Tu t'es fait intoxiquer pour être serviable ? Non, pas du tout. Non, en fait, il y a une camaraderie qui s'installe, il y a une confiance qui s'installe avec eux. Et puis surtout, il y a le fait, je pense, c'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas, plus tu travailles avec eux, plus tu récoltes d'informations, plus tu deviens technique.
plus il y a une sympathie, une camaraderie de fond qui s'impose. Qui se manifeste comment ? Vous allez boire des pots, oui, il vient bouffer chez toi. Ah non, non, pas jusque-là, non, c'est segmenté. La DGSE, c'est pas non plus de l'amateurisme, c'est-à-dire l'officier traitant, même s'il va être très proche de toi. Dans quel sens ? Eh bien, il va, par exemple, quand tu le vois à Paris, là, je vais faire attention à ce que je vais dire, parce que, disons, tu partages du temps, tu partages du temps avec lui, t'échanges des informations, même très personnelles, en fait, concernant tes amis, ta vie, avec les... La Et eux, qu'est-ce qu'ils donnent ? Alors, je devrais peut-être pas le dire, mais disons, je ne l'ai pas mis dans le livre, mais sans vouloir les embêter, ils donnent aussi des éléments de leur vie privée, en fait. Vérifiable ? Je pense, oui, c'est vérifiable. Oui. Que tu as cherché à vérifier ? Non, mais vu ce qu'il me disait, c'était totalement vérifiable. Est-ce que tu penses que tu as été instrumentalisé par les services ? Non, je pense pas. Je pense qu'il y avait une relation assez saine où, donc pendant 5 ans... J'avais, mon travail, il y avait trois axes, c'est-à-dire, un, ils me donnaient une liste qui s'est technicisée d'année en année, ce qu'ils appelaient la liste de courses, avec des éléments très concrets. Que tu devais aller chercher sur place. Que je devais aller chercher pour eux, donc à Jersey, puis ensuite au Luxembourg. Après, moi, je devais aussi, ça c'était moins important, mais trouver des profils qui pouvaient les intéresser, qu'ils auraient pu ensuite recruter. Mais ça, c'est pareil, je ne savais pas les tenants et aboutissements des recrutements. Donc, il fallait que je trouve des francophones ou francophiles qui pouvaient être débauchés pour la DGSE, pour espionner, pour créer un réseau sur Jersey puis Luxembourg. Et puis, la troisième chose, c'était... carte blanche pour récolter un maximum d'informations. Parce que, je le dis souvent, mais on pense que les services secrets... sont omnipotents, comme l'État français, mais qu'ils ont des systèmes d'écoute énormes, électromagnétiques. Mais rien ne vaut, en fait, le renseignement humain sur place pour collecter des choses qui peuvent intéresser les services. Comment tu faisais pour tisser un réseau sur place, t'approcher les gens à leur place ? C'est toi qui les tamponnais ? T'identifiais des profils ? Est-ce que t'identifiais des profils plus faibles, moins faibles ? Des gens avec des failles ? Ou des gens cupides, ou des gens patriotes ou Non, des gens... sans faille. En fait, les failles ne m'intéressaient pas. Ce qui m'intéressait, c'était des gens qui avaient le plus d'informations possible, tout simplement. Pour moi, c'était... J'ai repéré assez vite, si tu veux, que le personnage central des paradis fiscaux, contrairement à ce qu'on croit ou ce qu'on sait, c'est pas le banquier, c'est l'avocat. Et donc, dès que j'ai compris que c'était l'avocat qui était le maître dans les paradis fiscaux, je me suis infiltré dans toutes les réceptions, les réunions, les copinages. Comment ? Au départ, beaucoup avec les femmes, évidemment. Ça a été la voie royale. J'ai eu cette chance-là. Beaucoup d'avocates qui m'ont fait rentrer dans des soirées, notamment le deuxième grand cabinet d'avocats de Lille qui s'appelle Augier. Ou dans d'autres cabinets d'avocats. Donc c'est par les femmes, par ensuite des amis, les expats, beaucoup d'expats qui venaient d'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Irlande, etc. Donc là, c'était chercher plus... il faut savoir que les autres jobs très intéressants dans les paradis fiscaux, c'est ensuite les experts comptables. Donc c'était les deuxièmes personnes, le profil de personnes que je recherchais. C'est aussi ce qu'on appelle les gens qui s'occupent de la KYC, donc c'est-à-dire, enfin en anglais, KYC, qui s'occupent de vérifier les informations. Si tu veux, c'est une sorte un peu de police au sein en interne des banques et des cabinets d'avocats. Donc ces gens-là, les KYC, ils centralisent énormément d'informations sur tout le nouveau business qui arrive sur l'île et aussi l'ancien business qui passe en revue pour voir si c'est, entre guillemets, pseudo-légal, ce qui est géré... par les cabinets d'avocats. Donc c'était, voilà, je centrais sur déjà les professions. Est-ce que je m'entendais bien avec telle ou telle personne ? Est-ce que ces personnes avaient des portefeuilles très importants ? Et ensuite... C'est quoi très important ? Par exemple,
C'est dans chaque métier, tu en as qui sont très forts et qui ont un portefeuille, je ne sais pas, avec une trentaine ou cinquantaine de clients. Et puis, tu en as qui sont des ronds de cuir, de la finance, et qui vont avoir 5-6 clients qui ne sont pas importants. Des baleines, non ? Exactement, des baleines. Donc ça, tu repères assez vite, puisque dans ces mondes, le monde de la finance offshore, il est très petit. Donc tu sais très vite qu'un tel, c'est un super travailleur, qu'il a un portefeuille de malade, qui fait vachement d'argent. Bah, évidemment, tu vas aller vers lui, tu vas lui payer une binouze. Tu vas lui payer un petit rail ? Non, pas de drogue. Moi, je ne me suis jamais drogué. Et puis, non, mais... Pas de pute ? Non, pas de pute. Certainement pas de prostituée, non. Pas du tout. Non, c'était des choses très simples, en fait. Vraiment, avec des moyens extrêmement simples de convivialité, de sociabilité, de voir les gens. Et il faut savoir... Alors, ça peut paraître gros comme ça. Mais il faut savoir que quand vous êtes dans un milieu fermé, que ce soit une île comme Jersey ou la finance offshore en règle générale, Luxembourg, quand vous êtes entre personnes du même métier, les gens, dès que vous mangez, vous sortez, vous allez en boire, en boîte, ils vous parlent de leur boulot, de leurs clients, de ce qui va arriver. Donc vous apprenez énormément de choses. Et ça, c'est en plus de ce que je collectais dans mes lieux de travail. Parce que donc, le lieu de travail dans lequel j'étais, qui était le plus gros cabinet, enfin qui est toujours le plus gros cabinet de l'île, c'était 600 employés. Donc vous baladez dans... À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de... Quand j'ai commencé en 2007, il n'y avait pas beaucoup de sécurité. Donc je pouvais me balader vraiment un peu partout et récolter des infos. Avec ta tête en plus de gendre parfait, ouais, ça passe bien, non ? De type sérieux, ouais. Les informations que tu faisais remonter, tu les faisais remonter comment ? Par chiffrement, non. Par contact physique ? Alors chiffrement, oui, c'est-à-dire que j'ai reçu assez vite, on pourra en reparler aussi plus tard, une clé USB qui était cryptée. Chiffrée. Chiffrée. Que je remplissais, alors j'en parle dans mon livre, c'est-à-dire j'avais reçu une petite formation par un informaticien de la DGSE qui m'avait dit... Ça s'est passé où ? Alors, ça s'est passé dans un hôtel à Paris, un petit hôtel, tu sais, des appartements qui se louent à la semaine. Donc, j'ai reçu une formation de 3 jours, là, notamment apprendre un itinéraire de sécurité, donc vérifier les filatures, etc., puis aussi avec l'informaticien. Comment on fait pour vérifier une filature ? Alors là, ça serait compliqué à rentrer dedans, mais j'ai été formé par un autre agent... de la DGSE, un espèce de géant que j'appelle Petit Jean dans le livre, qui était un type extrêmement sympa, qui était un ancien parachutiste et également un plongeur de combat, vraiment un type assez exceptionnel. Et on a passé 2 jours, enfin presque 3 jours, 2 jours et demi à voir dans Paris. Alors il m'a déjà montré ce que c'était qu'un itinéraire de sécurité. Comment en créer un, et puis ensuite il m'a demandé d'en faire un, et voilà. C'est vrai, tu passes par les parkings, tu rentres dans le métro. Oui, voilà, pardon, tu passes dans les passages parisiens, t'apprends, en fait tu vois, tu apprends, moi j'ai été sidéré, tu apprends vraiment, véritablement à regarder la ville autrement, quoi. C'est-à-dire chaque escalier, chaque vitrine de magasin, chaque recoin devient un moyen, si tu veux, de voir si tu es suivi ou non, ou de permettre de t'échapper. Et donc cette personne qui m'a formé, c'est un vrai savoir-faire qui existe depuis la résistance, en fait, parce que c'est ce qu'il m'a dit, c'est pas eux qui l'ont inventé, c'était déjà là avec la résistance, et donc il m'a appris ça. Donc revenons à notre clé de chiffrée. C'était chiffré avec quoi ? C'était chiffré comment ? Est-ce que tu avais une bécane sécurisée qui n'était dédiée que pour ça ? Non. Alors c'était une clé chiffrée que j'ai gardée. En fait, il y en avait deux. Quand j'ai... Tu vas nous l'amener. Ouais. Enfin bon, je pense pas qu'ils vont être très contents, mais bon. Il y en avait deux en espèce d'inox aluminium, en fait. Donc ça remonte, tu vois, à 2007, c'était vraiment... Et en fait, si tu tapes, je ne sais plus, 5 ou 6 fois mal, voilà, ça s'autodétruit, enfin l'intérieur est détruit. Et le formateur m'avait dit, tu ouvres la clé, tu ouvres Notepad, donc surtout pas Word, etc., parce que c'est super dangereux, on ne sait pas avec les Américains. Donc ça, c'est en 2007, bien avant Snowden, bien avant ce qu'on a su avec les programmes de la NSA. Tu mets Notepad et tu enregistres pas le fichier Notepad sur ton ordinateur, mais directement sur la clé USB chiffrée.
et tu rentres tout simplement tes données au maximum. Donc, moi, je remplissais... quand je piquais pas... Alors, soit je piquais des informations en dur, donc là, je faisais des photocopies et puis je les filais à mon officier traitant, et ou je rentrais les informations sur la clé chiffrée pendant ces années. Alors, quand j'ai commencé avec le formateur, on avait deux clés. Il m'a dit, à chaque fois que tu en rempliras une, tu nous la rendras et nous, on te filera l'autre qui est vide. Et donc, c'était un échange à chaque fois avec l'officier traitant. Donc, la remontée de données se faisait dans Paris. Vous communiquez comment? Vous avez une heure, un jour précis ou vous... C'est quand je voulais. Alors, comment c'était le téléphone, tout simplement. Il faut savoir que les officiers traitants, ils ont... Ceux que j'ai vus, ils avaient deux téléphones avec eux. Ils avaient leur perso et puis ils avaient un téléphone portable spécifique. Et j'avais leur téléphone portable, donc j'ai gardé les numéros de téléphone de ces... Donc je les appelais directement et eux me contactaient directement sur... Alors ça n'a pas été tout de suite les premiers mois. Les premiers mois, c'était par email. Et dès qu'il y a eu la confiance qui s'est instaurée, qu'ils ont été contents de mon travail, on est passé directement au téléphone, ce qui peut paraître ahurissant. Donc c'était, est-ce que tu peux venir dans 15 jours, tel jour, à telle heure, à tel endroit, enfin pas à tel endroit, à l'endroit que tu sais. C'est comme ça que ça se passait. Ça durait combien de temps? Le débrief, tu veux dire? Ouais, débrief, ça peut durer le temps d'un... Ouais, 2 heures, ça peut durer 2 heures. S'il n'y a pas grand-chose, si... Il y a aussi de temps en temps, enfin pour les petites anecdotes, un officier traitant qui doit aller voir un autre, qui a d'autres choses. Donc ça peut durer une heure et demie, mais en général 2 heures, et puis des fois plus si nécessaire. Une petite enquête de proximité, je pense, parce que tu les as contactés par, en gros, le standard téléphonique des ministères des Armées, non? Oui, c'est ça. Ils ont fait une petite enquête de proximité sur toi, ils t'ont dit ce qu'ils faisaient, ils t'ont tenu au courant, ils t'ont validé au bout de combien de temps, ils t'ont testé, ils t'ont pas testé? Ils m'ont validé, je trouve, très rapidement, c'est-à-dire entre le moment où je les ai contactés, où j'ai vu la première personne qui allait devenir mon officier traitant, ils avaient déjà fait, l'officier traitant, enfin la personne qui allait devenir mon officier traitant m'a dit tout de suite, je le mentionne dans le livre, il m'a dit très ouvertement, on sait ce que fait ta sœur comme boulot, ton frangin, ton père, on sait en gros ce que tu as sur ton compte en banque, enfin mon pauvre petit compte en banque. Donc ils savaient, il n'y a pas de souci, ils avaient fait une enquête, je ne vais pas dire de voisinage, mais ils savaient à qui ils avaient affaire. Ton historique de porno? il savait plein de choses. Il savait la personne que je fréquentais à l'époque, pour quel cabinet elle travaillait. Il savait beaucoup de choses, mais ce qui est normal, ils ont des capacités d'écoute. C'est facile quand même. Oui, c'est facile, très facile. Donc il y avait cette petite enquête. Une fois qu'il y a eu cette première rencontre qui s'est faite à Paris... près de Notre-Dame de Lorette, d'ailleurs. En fait, j'ai commencé à travailler avec eux très rapidement. Je ne peux plus te dire quand exactement, mais ça a été une question de plusieurs semaines. Et comme ils ont été, je pense, assez contents de la première moisson d'informations, bah alors là, c'est parti. Et puis, avec les années, ils ont fait de plus en plus confiance, donc ils m'ont fait de plus en plus de demandes. Et eux-mêmes se sont... je dirais, plus professionnalisé sur l'intelligence économique, sur le renseignement économique. Ah bah, il était temps. Ouais. C'est un peu le parent pauvre. C'est toujours le gros parent pauvre. Tu connais le proverbe, non? Il y a intelligence économique et l'économie de l'intelligence, non? Non? Oui, là, c'est... À côté des pays anglo-saxons, on est complètement à la ramasse. Bon, ça, c'est... J'enfonce une porte ouverte, évidemment. Malheureusement, encore aujourd'hui, on le voit... C'est l'impuissance de notre État. En tout cas des politiques, parce qu'on a tous les moyens pour faire face, pour être une grande nation de l'espionnage en termes d'espionnage économique, c'est-à-dire défendre nos intérêts. Parce que les Français sont beaux gosses. Ils rentrent facilement, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, je pense qu'il y a, une forme de... Comment dire Il y a une forme de cohésion qui peut avoir en France et d'intelligence dans différents savoirs. Alors pourquoi on ne l'est pas? Je pense véritablement qu'il y a un problème politique. Enfin, je ne vais pas tout relancer sur les politiques, mais je pense véritablement. Parce qu'on a des vrais gens, enfin la DGSE, pas forcément les gros boss, mais les officiers traitants sont exceptionnels. Ce sont des très grands généralistes. Ils sont capables de passer
sur un dossier d'armement, un dossier de rétrocommission qui passe dans les paradis, enfin à le comprendre. Moi, j'étais extrêmement impressionné, je te le dis, par leur savoir-faire et leur connaissance. Alors, qu'est-ce qui pose problème avec les gros boss ? Je sais pas, je pense que les gros boss, bon, je ne vais pas encore décrier l'ENA, Polytechnique, bon, tout le monde un peu le fait, mais malheureusement, ces gens qu'on voit qui dirigent les administrations et donc aussi la DGSE, etc., les services de renseignement, ils sont dans les mêmes promotions que ceux que j'ai vus qui géraient les fonds de pension, les fonds de private equity, donc de la finance offshore. Et tu vois plein de polytechniciens qui sont à la tête de fonds financiers. Donc, c'est du pantouflage. C'est clairement du pantouflage. Et du rétro-pantouflage, c'est-à-dire tu vas par exemple aussi avoir un type qui a la tête d'un fonds qui, au bout de 10 ans, se dit « Oh tiens, je vais passer 5 ans à Bercy. » Il passe 5 ans à Bercy à la tête de Bercy, vraiment. Puis après, il revient à nouveau dans un fonds. Il va être encore plus promu parce que ça lui facilite la vie pour lui et les actionnaires. Ça lui permet de... Voilà, avec le verrou de Bercy, bon, même s'il a été aménagé depuis, de passer entre les gouttes. C'est pas bien d'avoir un mec qui est formé, peut-être par les services, et qui va un peu traîner ses oreilles en tant que grand patron de fonds pour faire remonter de l'information, ou c'est pas du tout le cas ? Ça, je peux pas te dire. Tu me demandes si tu penses... T'as déjà vu passer ça ? Non ? Jamais ? Alors, disons... Ouais, je vais peut-être pas trop parler de ça, en fait. T'es mal tombé, là. Ouais, je suis mal tombé. Mais disons, on va dire sans rencontrer, j'ai entendu, oui, une personne dans la finance a un gros poste qui travaillait pour la DGSE. Donc, il n'y a pas que des méchants à la tête de fonds d'investissement. C'est ce que je voulais entendre. Voilà. Facile, hein ? Ouais, facile. Bien vu. Je vais te reposer une question. Ouais. Après, on va commencer à rentrer dans le dur. Ouais. Là, c'est simplement l'apéritif. Ouais. Je t'autorise à boire. Ouais, avant, ouais. T'as pas reçu de formation aux armes ? T'as pas reçu de formation... Est-ce que t'as reçu une formation contre les interrogatoires ? Non, pas du tout. Alors, j'ai entendu dire que tes boss, quand tu travaillais dans ton cabinet, ont suspecté que t'avais collaboré. Ils t'avaient interrogé. Oui. La DGSE, tu n'avais pas formé à intoxiquer si on te chopait. Non. Est-ce qu'il y avait un filet pour venir te chercher ? Non, pas du tout. Tu étais complètement... C'est-à-dire que si tu avais été topé à Jersey avec des photocopies sous le bras, oui. C'était terminé. Ben oui. En fait, la seule personne qui m'a un peu, je dirais, renseigné, c'était l'informaticien qui m'a dit... Si l'informaticien m'a dit, bon, si jamais on te force à donner le code pour avoir accès à ta clé, bah, en gros, trompe-toi pendant 5 fois, quoi. C'est-à-dire, même si tu te prends des claques, vas-y, quoi, tape 5 fois à toute vitesse, tu fais 1, par exemple, tu tapes 1, entrée, 1, entrée, entrée, du coup, en quelques secondes, ça y est, la clé se détruit, enfin, à l'intérieur. Et la deuxième chose, c'est, il m'a dit, ça, j'en parle dans le livre, surtout, tu ne prends rien, tu ne hacks rien sur ton lieu de travail. Alors, ça ne veut pas dire ne pas piquer des dossiers ou faire des photocopies, mais en gros, tu ne vas pas commencer à piocher directement dans les ordinateurs. Parce que sinon, tu te fais repérer. Tu te fais repérer très vite. Hein. Et puis surtout, moi, je n'ai pas une formation de hacker. Alors, peut-être que je te demanderai. Mais non, peut-être que tu demanderas aux autres. OK. Donc, débriefing, remontée d'informations. Là, tu leur fais remonter de l'information de première main. Oui. Sur de la finance internationale, sur de l'évasion fiscale, en gros sur quelques petits problèmes que la finance peut nous créer, c'est ça ? Est-ce que tu les as trouvés vraiment très intéressés par ça ? Oui, ils étaient très intéressés. Après, ce qui est très dur, et ce qui est aussi une frustration importante, c'est que tu ne sais jamais ce que deviennent tes informations. Donc il se peut très bien que ça aille pas très loin. Et puis j'aimerais aussi préciser que en fait. Est-ce que tu es vraiment sûr que tu as bossé pour la DGSE ? Oui, je suis vraiment sûr d'avoir travaillé pour la DGSE, oui. Parce que c'est toujours ça le problème. C'est une excellente question, mais non. J'ai eu la DGSE au téléphone et j'ai eu les officiers traitants pendant 5 ans. Pendant 5 ans, oui. Après, ce que je peux te dire, en tout cas, tu parlais d'évasion fiscale. L'évasion fiscale, évidemment, c'est ce qui est le plus connu du grand public concernant les paradis fiscaux, mais c'est qu'une partie des fraudes qu'il y a dans les paradis fiscaux, parce que les paradis fiscaux, ils sont utilisés pour énormément de choses, puisque c'est un endroit
par définition totalement opaque. Donc, c'est utilisé pour faire des liquidations frauduleuses à distance. Par exemple, tu as une entreprise, comme une usine en France comme Samsonit à Hénin-Beaumont qui est extrêmement rentable. Tu fais croire qu'elle n'est pas rentable, tu envoies l'usine ensuite en Chine et puis tu organises la banqueroute de l'entreprise sans qu'on puisse remonter en fait, jusqu'au fonds d'investissement. Donc les paradis fiscaux sont utilisés pour ça. Et le fait d'ouvrir plein de sociétés gigognes qui sont très compliquées, donc tu n'arrives jamais à savoir qui est derrière la société, enfin derrière toutes ces sociétés. Et ça, ils le font pour en fait que s'il y a une attaque juridique, par exemple, de salariés ou de syndicats, on n'arrive jamais à remonter, si tu veux, jusqu'à ces personnes-là. Ou s'il y a un fisc qui va remonter jusqu'à eux, c'est extrêmement difficile. Donc ils ont besoin, ces financiers ou les politiques, ou des fois l'État, a besoin des paradis fiscaux pour asseoir sa domination. Donc il y a les liquidations frauduleuses, il y a aussi tout simplement les abus de biens sociaux, c'est-à-dire t'es patron d'une grosse boîte, tu dis oh, je vais prendre 100 millions dans la caisse quelque part, c'est ma boîte, je fais ce que je veux, donc tu mets en place plein de structures assez complexes. Tu fais du délit d'initié, par exemple tu es un gros chef d'entreprise du CAC 40. Tu sais avant tout le monde qu'il va y avoir un énorme contrat qui va être signé, qui va rapporter beaucoup de sous à l'entreprise. Tu montes une structure, par exemple, à Jersey, Luxembourg. On ne sait pas que c'est toi derrière. Tu achètes énormément d'actions avant la signature du contrat. Tu les revends, disons, les actions prennent, je ne sais pas, 30, 40% ou 10%, 20%. Et une fois que c'est signé, tu... Et ça, ils n'arrivent pas à le voir. C'est-à-dire que l'AMF, l'Autorité des marchés financiers... Ah non, c'est impossible pour eux d'avoir ça. Non, il faudrait qu'on travaille, qu'ils travaillent en permanence avec... avec les services secrets, avec des gens en interne comme j'étais. Il faudrait un véritable réseau très vivant et extrêmement réactif. En fait, on pourrait faire tomber tout ça. C'est pas le cas. Ah non, c'est pas du tout le cas. Non, tu rigoles. Pas du tout le cas. Ça n'a jamais été aussi facile en 2019 de truander l'État. C'est de plus en plus facile et les structures sont de plus en plus simples à monter. On a toujours 3 coups de retard. Alors c'est assez paradoxal, c'est-à-dire tous ces montages finalement c'est assez facile si on le voulait vraiment de savoir qui est derrière et comment les fraudes sont faites. Et en fait on dit qu'on a 3 coups de retard en disant oh, en étant défaitiste on va jamais y arriver, etc. Mais en fait c'est très très simple, si on voulait véritablement, alors si les politiques s'y intéressent pas pour le moment, peut-être que c'est aussi pour ça que moi j'ai lancé la plateforme avec mon frère et puis je travaille aussi avec beaucoup d'autres personnes en ce moment. En se disant, bon, l'État ne veut pas faire son boulot, pas de souci, on va s'y attaquer tranquillou dans notre coin, et avec la presse, et aussi en attaquant juridiquement des milliardaires et des multinationales françaises. C'est ce que je fais, si tu veux, je peux donner des exemples. On verra ça après. Ouais. Je voudrais qu'on revienne sur ta liste de courses. Oui. Cette fameuse liste de courses, ces fameuses listes de courses qui t'avaient été données, ce qui consistait à intercepter de l'information, plus ta carte blanche, là où tu pouvais ouais. Récolter ce que tu veux. Tu les as sentis fébriles par rapport à la santé, au rein de la finance, par rapport à la santé et la fiabilité des banques. Est-ce qu'ils t'ont posé des questions sur la réalité des fonds des banques? Est-ce qu'ils respectaient le protocole de Bâle 2, Bâle 3? Ils t'ont posé des questions comme ça? Est-ce qu'ils t'ont demandé s'ils avaient réellement le cash? Est-ce que tu les as sentis? Oui, totalement, absolument. Vraiment fébriles sur... Absolument fébriles. Alors, il faut savoir que moi, quand je commence à travailler pour eux, c'est en 2007. 2008, il y a la crise de subprime. La finance se prend une gifle. Et après, les services, donc j'en parle dans le livre, il y a notamment une liste de courses extrêmement technique que j'ai gardée parce que... était tellement technique et complexe que j'ai pas réussi à résoudre les demandes qui m'étaient... Un exemple. Tout simplement prouver que les grandes assurances, les grands groupes d'assurance français, les grandes banques françaises provisionnaient suffisamment d'argent. Donc là, je reviens... En cas de choc. En cas de choc, en cas de crise financière. Donc là, je rejoins ce que tu disais. Est-ce qu'ils respectaient l'État français, la DGSE voulait savoir si les banques françaises et les assurances respectaient la régulation, les lois, c'est-à-dire Bâle 3 maintenant, excuse-moi, et solvabilité 2. Solvabilité 2, donc c'est pour les assurances, c'est-à-dire les assurances doivent mettre de l'argent de côté, et Bâle 2, c'est les banques doivent mettre de l'argent de côté. Et en fait, moi, quand j'ai reçu cette liste de courses en 2011, j'ai été atterré parce que je me suis dit, ça, c'est incroyable. Moi, petit Maxime, dans mon coin,
On me demande, l'État me demande, en gros, est-ce que tu peux nous dire, au fait, si les banques françaises ne truandent pas ce qu'ils doivent mettre de côté, c'est-à-dire, en fait, défendre les... En cas de crise financière, être capable de protéger les actifs des épargnants. Et c'était d'autant plus intriguant, plus qu'intriguant, si tu veux, c'est que je me suis dit comment ça se fait que les régulateurs français comme l'AMF ou la CPR n'ont pas d'infos. N'ont pas d'infos, ils ont forcément des infos. Mais ça veut dire que les infos qu'ont l'AMF et la SCPR ne satisfont pas l'État français. En termes de confiance et de validité de l'information ? Exactement, oui. Et donc ça, pour moi, ça a été un choc. Ça a montré aussi à quel point la DGSE avait confiance en moi avec toutes ces années. C'est-à-dire que c'était des... Bon, après, il y a des aspects beaucoup plus techniques. Donc j'en parle dans le livre sur les fonds de... où ils me demandent d'infiltrer, enfin, de rencontrer, de trouver des Français... pour infiltrer le fonds de fonds économique de solvabilité financier, qui était un fonds qui a été créé après la crise de subprime, parce qu'on voulait donc de 440 milliards d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Avec ou sans effet de levier ? Sans effet de levier, et si je ne me trompe pas, et 85 milliards qui avaient été prêtés à l'Irlande, qui étaient toujours en mauvais point. Donc il voulait placer un... Il m'avait dit, est-ce que tu peux nous trouver un profil à l'intérieur pour qu'on surveille de l'intérieur ce qui est, comment l'argent va être... comment ça se passe au sein de ce fonds qui est basé au Luxembourg. Donc ça, c'est quand je travaille au Luxembourg. D'autres détails sur la liste de courses ? Ça, c'était un détail dans la liste de courses. Donc c'était... tu vois, en fait, c'est assez incroyable. Tu vois l'État qui est... Tu as l'impression qu'il est extrêmement fort, il est extrêmement fort. Et en même temps, il est d'une faiblesse incroyable, quoi. Ce genre de question m'a montré, je trouve, la fébrilité, la faiblesse de l'État. En slip ? En slip, ouais, si tu veux, ouais. En slip ? Ouais, ouais. C'est dommage, parce que si on se tape un choc, les banques vont peut-être pas pouvoir, et on va peut-être se taper un effet domino. Est-ce que tu as confiance dans la finance internationale pour la capacité de résilience en cas de choc, à l'heure actuelle, en 2019 ? D'après ce que tu peux voir, quand tu vois la Deutsche Bank, ils ont dû te demander des informations dessus, non ? La vois un peu calanchée comme ça, là. Oui, la Deutsche Bank, oui, déjà, oui. Alors, déjà depuis, je ne peux plus te dire exactement quoi sur la Deutsche Bank, mais je pense déjà depuis 2009, il flippait déjà sur la Deutsche Bank, et à juste titre sur tous les actifs pourris que cette banque détient. J'ai perdu le fil. C'est normal, ça fait partie du jeu. Ouais. Je te repose une autre question. Oui. Ils t'ont prévenu que peut-être, là où tu bossais, il y avait peut-être d'autres services, d'autres puissances étrangères, que tu allais peut-être te faire repérer. Ils t'ont prévenu peut-être de ça ou pas? Non, ils ne m'ont pas prévenu. Mais, enfin, on en discutait, si tu veux, mais ils ne m'ont pas dit « fais attention ». Par contre, j'ai détecté, j'en parle aussi dans le livre, une espionne russe qui travaillait pour le cabinet d'avocats Ogier. Comment tu l'as détecté? Bon, bah, elle s'appelle comment ? Anastasia, c'est ça ? Non, c'était pas ça, mais en fait, il y avait un petit peu de rumeurs sur l'île, tout simplement. On trouvait très bizarre qu'elle était parachutée de nulle part à un très gros poste pour s'occuper d'un énorme portefeuille de clients russes dans lequel il y avait Deru Pascal, milliardaire proche de Poutine. Et en fait, il s'est avéré, après quelques vérifications qu'ils font avec le hacking, quand ils hackent les serveurs, qu'ils ont dit « oui, c'est une espionne ». Et j'ai suivi, entre guillemets, son parcours parce qu'à une de mes dernières officiers traitants, quand j'étais au Luxembourg, m'a même donné des nouvelles, si tu veux, sur cette espionne. M'a dit, bah, ensuite, elle est partie à Londres, puis ensuite, on a perdu sa trace. T'as pas cherché à la baiser ? Alors, moi, excuse-moi, je suis vraiment de la vieille école. Je suis pas à vouloir baiser les nanas, je suis désolé. Pourquoi dans ton livre, on a l'impression que tu baises tout le temps, non ? Alors disons que j'étais célibataire, donc j'ai rencontré quelques femmes. C'est quoi quelques femmes ? Je peux pas te dire, je compte vraiment pas, enfin franchement... C'est incomptable. Pardon ? Tu les comptes plus, c'est ça ? Non, pas du tout, non, je sais, peut-être 7, 6, 7, 8, je sais pas. Cette semaine ? Non. Et puis c'était à une époque, c'est maintenant c'est pas du tout, voilà, je suis avec quelqu'un et ça se passerait bien. Tu veux pas lui faire peur, quoi.
Mais non, puis les femmes que j'ai rencontrées, j'ai beaucoup d'estime aussi pour elles, si tu veux. Donc, t'as pas fait ça consciemment pour les infiltrer ? Je savais qu'en allant avec elle, j'allais avoir des informations, mais il y avait aussi de l'estime et il y avait du sentiment quand même. C'est pas genre. T'es français, quoi. Oui, si tu veux, voilà, oui. Il y avait du sentiment, oui. Et il y avait du respect, évidemment. Comment tu faisais pour les approcher ? Bah, quand t'es dans toutes ces soirées, dans les restaurants ou quand tu vas au théâtre, dans ces groupes d'avocats, bah, c'est très simple. En fait, c'est des gens, en tout cas à l'époque, c'est des gens qui ont la trentaine d'années. Qui sont célibataires pour la grande majorité, qui n'ont pas d'enfants, qui ont beaucoup d'argent. Même les avocats gagnent assez bien leur vie là-bas, évidemment. Et donc, ça sort en permanence. Donc, ça n'a pas des numéros de... Excuse-moi, je vais parler trivialement, mais ça n'a pas des numéros de tapins. Ils ne font pas des soirées tapins ou non, des choses non, comme ça. Non. Alors là, non. Là, Jersey, c'est soft. C'est soft. Non, c'est pas Londres. Non, c'est pas Londres. Alors, il y avait des avocats qui prenaient de la coke, évidemment, mais moi... Quelle quantité ? Pardon, je peux vraiment. Je sais qu'il y a un avocat, il en prenait de façon, oui, enfin tous les jours, quoi. Il a même pris un coup l'avion avec de la coke à l'intérieur, et ses copains avocats qui venaient, qui allaient à Courchevel ou je ne sais où, qui avaient pris l'avion, quand ils ont vu qu'il était né avec de la drogue, ils ont pété un câble, enfin vulgairement parlant, en disant tu te rends compte, on aurait pu se faire choper. Donc, mais oui, enfin là-bas, la drogue, je dirais, c'est pas que c'était anecdotique, mais. Dans les soirées avec les avocats, en fait, déjà, je pense que c'était plus... Les gens buvaient énormément. Là, par contre, t'as pas idée. C'est quoi, énormément ? Ils picolent... Tout le monde picole du jeudi au dimanche, quoi. Ils ont les yeux jaunes ? Ouais. Et moi, qui ne suis pas du tout un buveur, tu vois, une pinte, deux pintes, je suis par terre, donc tu fais semblant de lever le coude. Mais c'est, oui, c'est des gens qui peuvent se boire 6, 7 pintes, 8 pintes dans la soirée. Du jeudi au dimanche, si tu veux. Femmes et hommes, plus les alcools forts. Donc c'est aussi... Il y a aussi beaucoup d'inhibition, évidemment. Là, j'enfonce une porte ouverte à nouveau. Mais quand t'es avec ces gens-là, puisque si tu restes sobre, ben, tu restes avec eux. Et ils finissent par te sortir énormément d'informations pour X raisons. Soit parce qu'il y a un client dont ils sont pas contents, qui les a maltraités, qui les a mal considérés. Soit parce que... ils sont jaloux d'un autre collègue qui a une promotion, donc ils finissent par dire mais tu te rends compte, il a tel client, il bosse pas, machin, il fait tel truc, là il vient de faire un tel document juridique avec tel client, et t'apprends énormément. En fait, plus tu tais, alors là je parle beaucoup, hein, j'arrête pas de parler, mais en fait plus tu tais, plus tu as énormément d'informations. Et là-bas j'étais vraiment l'oreille, autant avec les femmes qu'avec les hommes. Quand tu dis autant avec les femmes et avec les hommes, c'est-à-dire ? En termes d'écoute. Voilà, mais en termes de fréquentation, j'étais ami avec les hommes, ami avec les femmes, mais avec certaines femmes, ça allait un peu plus loin. Tu t'es jamais fait repérer par une femme ? Alors, il y a... J'en parle dans le livre, il y a une de mes amies proches sur l'île qui a subodoré que je faisais quelque chose d'anormal sur l'île. Comment ? Parce qu'elle voyait qu'en dehors du travail, j'étais tout le temps en train de... Bah, finalement, elle s'est rendue compte que je collectais tout le temps des infos, quoi. Tu compilais. Que je compilais, exactement. Alors, elle ne voyait pas ce que je compilais. Jamais personne ne m'a vu en train de taper sur mon ordinateur sur la clé USB, on est bien d'accord. Mais comme j'ai passé un peu de temps avec elle, que c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, et elle a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je reviens sur la fameuse clé USB et je reviens sur ta bécane. Est-ce que la DGSE t'a appris à vérifier si quelqu'un avait touché ta bécane pendant que tu n'étais pas là ? Est-ce qu'ils t'ont appris à vérifier si quelqu'un avait pénétré chez toi ? Non, absolument pas. Juste, alors je sais, là, tu vas dire, les amateurs. Non, juste vraiment. Alors par contre, ils m'ont dit, alors là, je donne une petite anecdote dont je parle dans le livre. À un moment donné, j'ai un de mes officiers traitants, même qui... Enfin, bon, là, c'est pareil, je vais me faire... En fait, non, même c'est une anecdote qui n'est pas dans les... Mais en direct, tu fais attention. Oui, hein. Ouais, je ne vais pas le dire, alors. Je ne vais pas le dire, pardon. Excuse-moi, j'ai déjà oublié le dire en direct. Disons qu'il y a eu des clés USB, des fois, qui se sont perdues, on va dire. De toi ? Non, pas de moi du tout, mais de gens à la City ou... Ils sont perdus parce qu'il y a quelqu'un qui est venu les chercher. Disons, par exemple, non, un truc tout bête, t'es dans une colocation, t'es jeune financier à la City, vous êtes cinq dans un appart,
T'es pas là, t'as laissé ta clé USB dans un endroit, t'as un colocataire qui vient, qui prend la clé. Bon, heureusement, c'est crypté, mais tu vois, tu peux avoir des... C'est-à-dire que t'as égaré des clés ? Non, moi, pas du tout. Là, je te parle d'un exemple qui m'a été dit par une personne à DGSE. Revenons à la finance. Toi, tu gérais personnellement un portefeuille ? Oui. Mais t'as aucun diplôme pour gérer ça ? Non, dans la finance, absolument pas. Alors, en fait... Ce qui s'est passé, c'est moi j'étais parti en Angleterre, bah, pour apprendre l'anglais, j'étais allé à Bristol, et à Bristol, il y a des amis, enfin une femme qui était avocate, qui m'a dit, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de travailler dans un paradis fiscal ? Alors moi déjà, je ne savais pas ce que c'était vraiment qu'un paradis fiscal, pardon. C'était une notion très vague et très floue pour moi. Et qui était relié, à, je dirais, à, intuitivement, je me suis dit, je veux aller voir ce qui se passe dans les paradis fiscaux. Il y a la notion de secret qui m'intriguait et d'aventure. Je me suis dit, il faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas. À l'époque, donc en 2007, tu n'avais pas de livre, tu n'avais pas Snowden, tu n'avais pas toutes ces infos sur la finance. Donc intuitivement, je me suis dit, OK, j'y connais rien, mais je vais y aller. Il n'y avait rien qui était garanti du tout. Ils t'ont proposé quoi comme boulot ? Alors, secrétaire, apporter les cafés Non, pas du tout. Au départ, donc, j'ai donné mon CV à une connaissance de cet ami de Bristol, qui l'a remis, qui était une connaissance qui travaillait dans le plus grand cabinet d'avocats de l'île qui s'appelle Mourant. Cette connaissance l'a transmis aux ressources humaines et ils avaient besoin d'un francophone pour s'occuper en partie. Donc dans le portefeuille qu'il y avait, il y avait beaucoup de clients francophones. Et ils avaient besoin d'une nouvelle personne dans cette équipe. Donc c'est aussi simple que ça. Il s'est avéré que le gars, ensuite, qui était le chef de mon équipe, était de Bristol. Moi, je venais de Bristol. Il m'a dit « Ah, t'es de Bristol, super Ah, génial, bah, je te prends, on va te former, t'inquiète pas, tu connais rien à la finance, pas de soucis, Max, on va t'apprendre. » Et c'est parti comme ça. Donc j'ai le gros avantage, même si j'ai aucun diplôme en économie, etc., j'ai le gros avantage d'avoir une formation, je dirais, complètement pragmatique. De terrain, qui, je trouve, est la meilleure, qui ne m'empêche pas maintenant de lire des livres en économie, d'échanger avec des potes économistes, de mettre en place un réseau, d'ailleurs, avec des économistes. J'ai été formé... ça, c'est le bon côté, je dirais, des anglo-saxons, c'est ce pragmatisme où ils t'apprennent de façon empirique et assez rapidement, tu te débrouilles tout comme un autre qui a fait 5 ans, 10 ans d'études. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc ça consistait en quoi ? Qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Alors, au départ, donc j'étais l'aide d'un administrateur, donc j'ai ce qu'on appelait un trainee, donc c'était quelqu'un qui était en formation, et puis ensuite je suis devenu comme lui administrateur, puis ensuite senior administrateur. Et en fait, l'administrateur, le travail, c'est, comment dire, pour schématiser, tu as tes fonds, qui sont immatriculés, hébergés en fait à Jersey ou au Luxembourg. Et toi, tu es là pour faire croire qu'il y a une substance de l'entité, c'est-à-dire faire croire qu'il y a une véritable vie juridique, administrative. Et ça, c'est fait pour que les gens qui lancent les fonds, par exemple les financiers qui sont en France, n'aient pas de problème avec le fisc. En fait, la notion de substance est très importante en droit international. La substance, c'est quoi ? C'est-à-dire, il faut que tout ce qui est décision d'un fonds ou d'une entité va être taxé ensuite. Donc le but des financiers français, c'est de faire croire que la décision est prise à Jersey, alors qu'en réalité, elle est prise en France ou en Allemagne, etc. C'est pour ça qu'il y a tous ces montages, et qu'il y a une substance, c'est-à-dire qu'il y a un vrai service qui est fait par ces montages financiers, alors qu'en fait, c'est du vent, il n'y a rien du tout. T'as pas l'impression que t'as été engagé, en fait, pour faire du vent ? Oui, si, c'est ça. Bah, Combien t'étais payé sur place ? Alors, sur place, j'étais payé à l'époque, bah, j'en parle aussi dans le livre, 2800 pounds par mois, l'équivalent, donc c'était en 2008-2009, de 3000, peut-être avec le change, 3002, 3300 euros. Hein. Il faut savoir que la vie là-bas est extrêmement chère. Quand t'es pas de Lille et que t'es un expat, et que t'es un non-qual, c'est-à-dire que t'es pas avocat ou pas expert comptable, tu vas payer plus d'impôts que tout le monde. Et ton logement, c'est un logement spécifique qui va être deux fois plus cher que tout le monde. Donc en fait, sur l'argent que je gagnais, je mettais rien de côté, puisque mon loyer me coûtait 1200 pounds, je mangeais, je sortais,
Et puis, je collectais le maximum d'informations. Pour la DGSE, ça s'arrêtait là. Et la DGSE ne te rémunérait pas? Ils t'ont proposé un petit bifton? Non. Alors, ils m'ont payé mes déplacements. Première classe? Non, seconde classe. Par contre, ils m'ont proposé à un moment donné de rentrer dans la Banque européenne d'investissement en Luxembourg. Et ça aurait été, j'aurais été bien payé une planque. Combien? Je sais pas, peut-être une planque à 6000 balles pour rien faire, quoi, pour faire la grande oreille pour eux dans une institution européenne, dans une banque européenne. Et j'ai refusé parce que, donc, à l'époque, j'étais encore à Jersey. Un de mes officiers traitants, l'officier traitant de l'époque m'avait proposé ça. Et j'ai dit non, merci, je me vois pas aller dormir au Luxembourg. Bon, après, je suis allé au Luxembourg. On m'a dit aussi. Mais on comprend pas les. Enfin, mes officiers traitants me disaient souvent on comprend pas, tu veux pas d'argent, tu veux pas de médaille. Les supérieurs, ils comprennent pas ta motivation. Oui, des fois, on a juste envie de faire quelque chose gratuitement, on n'a pas envie. Puis en plus, j'avais déjà mon salaire quand même, je me voyais pas en plus prendre des sous derrière. Par contre, quant au Luxembourg, quand j'ai dit à la DGSE que j'allais arrêter de travailler dans la finance parce que j'en avais marre, et qu'ils ont voulu placer quelqu'un de chez eux, donc un fonctionnaire, à ma place, il aurait reçu non seulement le salaire que j'avais à l'époque au Luxembourg. Donc au Luxembourg, je vais même dire combien je gagnais. J'étais à 3 200 € net par mois, net hein, après impôt, tout ce que tu veux, plus 13e mois, plus plein d'autres avantages. Donc j'étais en gros à 3 500 net par mois. Et là, le gars qui voulait placer aurait gagné mon salaire, si tu veux, plus ce que la DGSE lui aurait donné. Combien la DGSE donne? Ça, j'en sais strictement rien. Je l'ai jamais demandé, ça m'intéressait pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents pour que tu sois aussi pur que ça? Ouais, pur, en exagérant rien quand même. Disons, mon père, ça a été ce qu'on appelle un établi. Alors, pour la petite histoire, un établi, c'est quelqu'un. Dans les années 60, 70, 70 plus, donc mon père avait fait des études d'histoire, est allé travailler 10 ans en usine. Il était maoïste, il était assez haut placé dans un parti interdit maoïste, qui avait été interdit par, Giscard d'Estaing. Donc mon père était en clandestinité pendant 10 ans et a vécu avec rien, très 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 pauvrement avec ma mère. Donc il y avait ma sœur, vraiment avec que dalle. Et un peu comme un moine, même si t'es marié. Et ensuite, moi, je suis arrivé, en 78, il avait fini, je crois, en 74, 75. Donc si tu veux, cet engagement, si tu veux, dans la famille, il est extrêmement fort. Et puis avant lui, il y avait mon grand-père, donc, qui a été résistant à 19 ans dès 40. Qui a sauvé des juifs, puisqu'il y a des juifs de Hollande qui nous ont contactés, Alex Landé qui nous a contactés, un enfant qu'il avait sauvé, il a tué des nazis, il faisait beaucoup de choses, ensuite il a été capturé par les nazis, et il s'est sauvé, il a rejoint ensuite les forces françaises libres en Afrique du Nord, il a été goumier, et il a été blessé notamment par un éclat d'obus, et ensuite il est revenu avec ses potes marocains quand ils ont débarqué en France. Donc c'est pareil, si tu veux, la notion de, pour en venir aussi à mon grand-père, cette notion de servir les autres, évidemment gratuitement, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qui donne un sens, c'est un des sens à la vie, évidemment. Alors, pour une petite anecdote peut-être, là, qui va être peut-être pas très sympa pour ma défunte grand-mère, mais je sais qu'il y a une histoire qui tourne dans la famille, que ma grand-mère, donc mon grand-père passait des juifs, si tu veux, entre... qui venait de Hollande ou d'ailleurs, sur son dos, c'est un athlète, contrairement à moi. Il passait donc sur le Doubs, hein, donc la rivière entre la Franche-Comté et la Suisse. Et en hiver, là où le Doubs était le plus bas, il est passé, femme et enfant, sur son dos. Et de l'autre côté, pour aller en Suisse, pour qu'il soit protégé là-bas. Et ma grand-mère lui a hurlé dessus plusieurs fois, apparemment, « Mais t'en compte, t'as même pas demandé de l'argent, etc. » Donc non, il n'a pas demandé d'argent, ni mon père quand il a été établi, et moi non plus, ce qui pour moi était une suite logique. La Franche-Comté, il y a des gens bien. À Besançon, alors Franche-Comté, oui, en fait, c'est vraiment un terreau libertaire. C'est libertaire. C'est là qu'est né à Besançon le socialisme utopique. Je pense même que c'est encore plus vieux que ça. Je pense que c'est vraiment enraciné peut-être depuis des centaines, voire peut-être depuis les Sequoines, la tribu gauloise, j'en sais rien. Et il y a un souci, enfin en tout cas jusqu'à ces dernières années, d'égalité, véritablement. C'est un peu,
On parle de temps en temps de régionalisme. Alors, la Franche-Comté n'est pas très connue, mais ça fait partie de son régionalisme en réalité. Il y a ce souci d'égalité. Donc, il y avait Proudhon qui est de Besançon, qui a été, c'est un vrai Byzantin. T'as Considérant, t'as. J'en oublie un ou deux. Donc, t'en as plusieurs vraiment qui ont été formés à Besançon et qui ont créé en fait l'anarchie, quoi, enfin, le mouvement anarchiste. Et grâce à ce mouvement anarchiste, on a. Toutes ces coopératives ensuite qui sont nées, toute l'idée de mutuelle, l'idée d'égalité véritable entre les hommes et les femmes, bon, même si Proudhon, il y a des choses à redire sur sa vision des femmes, malheureusement, mais cet aspect d'égalité est vraiment ancré en Franche-Comté. On conseille aussi l'Isère, ils sont bien dans l'Isère. Tous les peuples montagnards, en général, d'accord, où il y a un climat un peu rude, ils savent se serrer les coudes, ouais, quand il faut se serrer les coudes. Surtout à Mout. Ouais. Mout, ça envoie. Ouais. Bon, parenthèse fermée, revenons à nos moutons. La DGSE, la finance. Maintenant que tu es rentré, que tu as fait ton coming out, ils ont essayé de te rappeler, te proposer une petite soirée où ils t'ont dit tu viens plus en soirée. Ah non, non. Alors, moi, j'étais en relation avec eux. Donc, je travaillais pour eux jusqu'à 2012. Et après, j'étais encore en contact jusqu'à février 2013 avec eux, quand j'étais revenu en France. C'est ça que tu as sorti une vidéo en 2014 sur ta chaîne YouTube avec 14 vues. Oui, avec 14 vues, oui, c'est ça. En fait, je voulais passer, avec les moyens du bord, comme tu as pu le voir, des informations sur alors, c'était sur quoi en 2014 C'était sur Mitromney ou c'était sur... Oui, voilà, c'était... Donc, c'était pour aider les salariés d'Hénin Beaumont. Revenons au contact avec la DGSE. Oui, donc la DGSE, depuis février 2013, j'ai plus de contact. Je sais, avec la sortie du livre, je le sais par l'intermédiaire de deux journalistes très différents... Guinel. Alors, il y a Guinel, mais il y en a un autre aussi, que j'ai vu dernièrement. Les petites lunettes. Alors, ils se teint les cheveux un peu en roue, non ? Alors en fait, ils étaient deux du deuxième journal que j'ai vu. Et un des deux, c'était la première fois que je voyais. Bon, je n'ai pas donné les noms, mais disons, ils ont. Le deuxième rencontre, enfin, les journalistes m'ont dit que les big boss n'étaient vraiment pas contents voilà, de ce genre de révélation. Je pense que ça ne leur fait pas une mauvaise pub. Je pense que c'est. Voilà, il ne faut pas non plus exagérer. Enfin, ça montre qu'ils sont quand même dans les paradis fiscaux qu'ils essaient de faire. Alors, j'ai fait une rencontre qui est bizarre. Suite à la sortie du livre, après la vidéo avec Denis Robert, j'ai un type avec un profil très, très curieux, un gros, gros chef d'entreprise dans les pays étrangers, start-up, tout ça, qui m'a contacté entre deux avions à Paris en me disant « Est-ce que je peux vous rencontrer ?» C'était extrêmement rapide. Et je lui ai dit, dès qu'on s'est vu, je suis très content de vous rencontrer, mais vous n'êtes pas du tout le genre de profil. C'est pas du tout que je suis sectaire, mais je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi ce type veut me rencontrer ? Et en fait, dans le message qu'il m'a dit, on a des amis en commun. On n'a aucun ami en commun. Et c'est vraiment une grosse pointure dans ce qu'il fait. Et ensuite, à la fin de l'entretien qu'on a eu ensemble, il m'a dit, c'est la politique qui décide, c'est pas les fonctionnaires. Je me suis dit, mais pourquoi il me dit ça ? Enfin, pourquoi il me dit ça ? Donc j'ai compris qu'il y avait un petit message peut-être qui... Après, peut-être pas. Après, c'est peut-être le hasard. C'est peut-être une personne qui était sur mon chemin à ce moment-là. J'en sais. Partons de cette hypothèse. Oui. Les fonctionnaires, ils font bien leur taf, non ? Ils essayent au maximum. Oui. Certains, oui. Et alors, quand il te dit c'est les politiques qui gèrent... Ça te pose pas un problème pendant la guerre? Heureusement qu'il y avait des fonctionnaires qui avaient dit « on va pas faire la politique, nous on va continuer d'être fonctionnaires jusqu'au bout et puis on va ralentir histoire de leur mettre des bâtons dans les roues ». Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, je trouvais que c'était un peu une excuse aussi facile. Je pense que moi, je considère qu'en fait, tout à chacun, fonctionnaire ou pas fonctionnaire, ou citoyen, salarié, on peut faire beaucoup de choses à sa petite échelle. Alors pour prendre l'exemple de la DGSE, on n'est pas obligé de révéler des choses sur le travail de la DGSE, mais peut-être qu'on peut à certains moments donnés infléchir sur certaines décisions sur les big boss. Peut-être qu'on peut essayer de voir un peu la vie autrement, quoi. Pas seulement accepter les ordres. Qui c'est qui met les big boss à leur tête ?
Bah, beaucoup les politiques, hein, évidemment. Je veux dire, Et malheureusement, bon, après, je suis vraiment, comment dire, pas quelqu'un d'important pour pouvoir parler de ça ou avoir un avis spécifique dessus, mais je trouve que c'est un peu dommage de mettre à la tête de la DGSE, par exemple, des gens qui sont des anciens préfets ou des diplomates. Enfin, les diplomates, pour moi, c'est un peu des gens qui sucent la langue, quoi. Je veux dire, c'est des gens qui aiment s'écouter. C'est pas forcément... Bon, je suis peut-être un peu méchant, mais c'est peut-être pas forcément les meilleurs profils à mettre à la tête de la DGSE, quoi. C'est comment on les appelle, nous ? Non ? Les Rochers Suchard. Ah, d'accord. OK. Les Rochers Suchard. Tu connais pas les Rochers Suchard, les soirées de l'ambassadeur ? Non. Dis-moi, la DGSE, elle n'a pas le droit d'enquêter sur le territoire français, mais elle enquête sur les boîtes françaises à l'étranger. Est-ce qu'ils t'ont posé des questions, par exemple, sur les montages que Dassault pouvait faire ? Est-ce que les Non. Jamais ? Non. Ça les intéressait pas. Par contre, à un moment donné, ils m'ont demandé assez rapidement, je crois que c'est en 2008, pourquoi, à l'époque, Lafarge voulait délocaliser... En Syrie. Pas en Syrie, ouais. Même s'il y a après eu le problème, évidemment, avec la Syrie. Mais son siège... alors, à l'époque, il était question de Zug, en Suisse. Et après, si je ne dis pas de bêtises, c'était en fait Zurich qui a été choisi. Et donc, voilà, c'était le type de question que... Alors ça, c'était pas dans la liste de courses, mais c'était un coup, un officier traitant m'a dit, mais à ton avis, pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre la boîte là-bas à Zug ? Mais je dis, mais enfin, Zug, c'est... Alors, bon, il faut que je fasse attention mais, à ce que je vais dire, donc je vais rien dire. Mais Zug, en règle générale... C'est un beau village. C'est un beau village, voilà. C'est le chocolat est bon. Exactement. Et il fait bon y vivre. Voilà. Et les femmes sont souriantes. Oui. C'est pas là qu'on retrouve des banquiers habillés en cuir avec des pommes dans la bouche, morts au fin fond de leur chambre, non ? Ça c'est Genève, c'est... ça. C'est Genève, oui. Non, ça. Ça t'a pas posé des questions qu'on retrouve de temps en temps des financiers Alors là, c'est pareil. J'en parle aussi dans le livre. À un moment donné, j'ai un collègue qui était en train de devenir un ami italien qui s'appelait Alessandro. Qui était en fait, donc c'est des. Quand j'étais à Jersey, c'est ce qu'on appelle des open plans, donc tu vois tout le monde, c'est des grands bureaux ouverts. Et Alessandro s'occupait d'un énorme portefeuille à côté de moi. C'était quelqu'un avec qui je plaisantais énormément, qui était extrêmement intelligent. Et un jour, on l'a retrouvé en bas d'une falaise, en fait. Donc on se quitte le vendredi, salut, à lundi, etc. On le voit pas lundi, on le voit pas mardi, mercredi. Tout d'un coup, les big boss du département nous disent, ils ont avec des têtes pas très heureuses, en nous disant, réunissez-vous dans telle salle, on a quelque chose à vous dire. Et en fait, ils nous ont dit, Alessandro a été retrouvé mort en bas de la falaise à Jersey, dans le nord de l'île. Alors tout de suite, bon, moi, sans être parano, je me suis dit, bon, tiens, bizarre, quoi. Qu'est-ce que Alessandro, pourquoi est-ce qu'il a fini en bas de l'île ? Enfin, en bas de, pardon, de... Peut-être accident, donc il y a une enquête, apparemment c'est un accident. Il serait tombé du haut de la falaise. Et ça a été pour moi un moment... un peu comme à Djibouti avec les juges, des fois on les trouve comme ça. Ouais, et ça a été un moment très violent pour moi, émotionnellement. C'est vraiment où je pleurais. Enfin, on était, enfin, tous les potes qui avaient autour, je veux dire, ça a été dur pendant vraiment 3 semaines, 1 mois. Enfin, on était dans le déni. Moi, on pensait, même c'est idiot à dire, mais qu'il allait revenir, quoi. Enfin, je sais pas, c'était tellement été violent de plus le revoir. Ouais. Et puis aussi, il y a d'autres histoires comme ça qui sont arrivées. Deux associés de Lille, qui était d'ailleurs un parent, un type avec qui je bossais, qui a été sans doute assassiné. Et le deuxième associé de ce type-là est parti très vite dans les Émirats Arabes Unis au même moment. Et puis il y avait une question de blanchiment d'argent en même temps. Enfin, Jersey, voilà, c'est pas de tourpeau, c'est pas que la belle carte postale tranquille où tout est beau. Il y a aussi des risques, évidemment, à Jersey. Et les Anglo-Saxons, sans vouloir généraliser, c'est quand même, ils sont moins rigolos sur certains points que les Français. Les Français sont plus doux. Plus compréhensif, le Jersien, l'Anglo-Saxon, s'il y a un problème, ben, voilà, on te met au fond du ravin. Dans le livre aussi, je parle d'un copain avocat, un gros avocat d'affaires, qui a été laissé pour mort dans la rue,
Il était en plus rugbyman, faisant des arts martiaux, enfin bon, le gros costaud. Il revenait avec plusieurs autres gars copains d'un mariage qui étaient tous rugbyman, d'un mariage, donc ils étaient assez méchés. Et ils se sont fait tomber dessus par derrière avec des bouteilles. Donc le copain s'est fait tomber dessus avec une bouteille qui s'est écrasée sur son crâne par derrière. Et ensuite, il y a des personnes qui l'ont écrasé, qui ont fait ce qu'on appelle des stampes, quoi. Son visage sur le sol. Après, donc, il a mis énormément de temps. Enfin, c'était extrêmement compliqué. Il a eu beaucoup de dépression. Et on a dû lui refaire le visage, mettre des plaques dans le visage. Et le type qui avait fait ça, donc la bande de jeunes, c'était des vrais gens de Lille, parce que lui, c'était pas un gars de Lille, c'était un gars de Bristol. Ils se sont fait attraper. On a retrouvé aussi même le jean sur lequel il y avait le sang du copain dessus, etc. Et la justice, en fait, le monde de Jersey est assez particulier. Le chef de le procureur de Lille et le big boss de Lille, en fait, sont deux frangins. Donc, en termes de conflit d'intérêts, bonjour, quoi. Et comme il y a une sorte de... comment dire, d'équilibre que l'oligarchie locale veut garder. En fait, l'équipe qui avait laissé pour mort cet ami dans la rue n'a absolument pas été condamnée, il a été relâché. Voilà, c'est le genre de petite histoire qui te permet de mieux comprendre aussi le périmètre de l'île et l'histoire de l'île. Ça peut être extrêmement violent. Est-ce que tu as vu passer de l'argent de la mafia, de la drogue, des rétrocommissions? Des choses comme ça, même de l'argent français qui était utilisé pour des rétrocommissions. Alors tu le vois pas, tu vois pas de valises, hein, c'est fini les valises depuis les années 80, 90, c'est fini. Je parle en ligne. En ligne, oui, en ligne. Il y a des structures au Luxembourg qui étaient plus que suspectes. Tu vois des fondations italiennes, tu sais pas qui est derrière, qui investit, qui met de l'argent de façon conséquente, 50, 100 millions dans un fonds d'investissement. Luxembourgeois, tu sais pas qui est derrière, quoi. Enfin, soi-disant que tu sais avec ce qu'on appelle les gens de la KYC qui sont censés vérifier qui est derrière, mais en réalité, tu n'as pas de preuve absolue du tout. Donc, les paradis fiscaux sont des grandes blanchisseuses. Bon, là, c'est pareil, tout le monde le sait, hein, des grandes blanchisseuses d'argent sale avec l'argent propre des banques françaises, des assurances. Tout ça s'est mélangé ensemble et ça repart dans le système. Tu parles d'évasion fiscale, tu parles de tout ça, mais l'optimisation fiscale, c'est légal. C'est légal. Alors ça, c'est peut-être pas moral. Alors ça, c'est le grand lavage cerveau de ces dernières années par certains médias français. Je m'attendais un peu à la question. l'optimisation fiscale, il y en a une, effectivement, que tu peux faire en France. Pourquoi ? Par exemple, tu décides pour... payer moins d'impôts, de dire tu vas te mettre en société civile au lieu de te mettre en SAS, donc tu as des moyens de payer moins d'impôts. Ça, c'est l'optimisation fiscale. C'est dans le choix que tu as de la structure de ta boîte. Ou bien tu décides, tu as plein d'usines, et puis à la tête propriétaire de ces usines, tu mets une société, la maison mère, et ce qu'on appelle le régime société mère-fille va te permettre de faire remonter des dividendes vraiment sans payer beaucoup d'impôts, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça, c'est l'optimisation fiscale. Alors, est-ce que c'est... C'est légal. Ça, c'est légal. Est-ce que c'est moral? On peut en discuter, on peut en parler, on peut le combattre aussi. Mais l'évasion fiscale, c'est très simple. C'est utiliser des structures pour faire partir le cash en dehors du pays. Donc Belgique, Luxembourg, Jersey, Delaware, Hollande. Irlande, Hollande. Andorre. Andorre, non, j'ai pas vu de structure qui est passée par Andorre, c'est vraiment tout petit, même pas non. Turquie-Caïcos. Bahamas. Bahamas, Anguilla. Oui, pardon, tu dis. Anguilla, non. Après, il y en a tellement. Qu'est-ce que je pourrais. Key West. Non, qu'est-ce que je pourrais te citer vraiment? Delaware, énormément Delaware, énormément Luxembourg. Cayman Islands, alors là, voilà, on n'en parle pas. Ça me reviendra, mais oui, il y a toute une panoplie qui est utilisée. D'ailleurs, les paradis fiscaux ont besoin d'eux, entre eux, ils s'entraident. Donc chacun a un peu sa particularité. Le Panama. Le Panama aussi. Et chacun s'entraide et ils font aussi des rencontres entre avocats pour voir comment ils peuvent faire des structures qui peuvent faire passer l'argent d'une juridiction offshore à une autre. Ils se couvrent. Ils se couvrent mutuellement. Pour toi. Ah, mais totalement, mais c'est organisé, c'est pas que pour moi, c'est organisé de la sorte. Et ils le disent, les avocats à Jersey vont te le dire. On va dire, voilà, on a tel meeting au Caïman pour voir avec eux comment
On peut faire remonter de l'argent, des montages le plus facilement possible avec eux. C'est payé combien, un avocat ? Oula, un avocat sur l'île de Jersey, à l'époque, hein, donc je pense que là, ça a dû bien grimper, t'as 1 million de pounds à l'année, tranquillou. Alors, sauf les petits, moi, que je fréquentais, qui sont plus peut-être aux alentours des 100 000, mais dès que t'es partenaire, t'es au minimum, en dehors des bonus et des dividendes, des gens passent et des meilleurs, t'as 1 million de pounds tous les mois qui tombent. Enfin, pardon, tous les ans, excuse-moi. C'est pas non plus des grosses sommes, ils font des gros coups si tu as des moments donnés où ils peuvent, tu vois, par exemple, ils vendent certaines structures et ils multiplient par 3 ou par 4 ou par plus ce qu'ils gagnent normalement. Ceux que tu as pu rencontrer, ils sont dans quel état d'esprit, quel état psychologique, ils ont quelle vision des choses. Pour eux, c'est tout à fait normal de tordre la loi, parce que c'est légal. C'est ce qu'ils disent, oui. C'est ce qu'ils disent ? Oui. Ah, ça n'a pas changé, alors. Non, ça n'a pas changé, effectivement. D'ailleurs, ce qu'il faut dire, tout simplement, c'est que ce sont des... Ils ont vendu leur souveraineté, en fait, aux riches, c'est-à-dire qu'ils vendent aux riches un vernis de légalité, un artifice de légalité, pour faire croire que tout ça est légal. Alors, c'est totalement illégal. Au mieux, c'est un abus de droit, donc c'est du droit qui est utilisé de façon illégale, et au pire, c'est totalement illégal, et c'est de toute façon à chaque fois illégal. Tous ceux que j'ai croisés, surtout les gros boss, mais pas que, mais mes petits avocats de bas étage, ou les experts comptables, ou toutes les professions, les banquiers de... Tous ceux qu'on mange. Tous ceux qu'on mange, ou même les petites mains de la finance, pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Les autres sont idiots, sont stupides, ils comprennent pas... Le salarié de base français, il est idiot, il n'est pas assez intelligent. C'est pas le cas ? Non, c'est pas le cas. Il est de bonne foi, tout le monde n'est pas... Pourquoi est-ce que... l'avocat du diable, oui, non, mais il fallait que je le place. Hein. Non, mais t'as raison, mais pourquoi est-ce qu'on devrait à chaque fois imaginer le pire, quoi ? Pourquoi est-ce qu'on devrait imaginer que t'as des gens qui prévoient le pire et qui sucent tout l'argent et qui font des montages illégaux à tous les niveaux en permanence ? Et dans leur comportement de tous les jours ou de soir, est-ce que tu vois, ils ont des conduites addictives en particulier ? Oui, énormément d'addictions, énormément. Les addictions... Au sport aussi, non ? Oui, effectivement, beaucoup de sport, beaucoup, tous les jours. Alors déjà, muscu, tout ça, beaucoup de sport. Et ce qui est très particulier, tu vas voir des gens qui vont avoir une conduite très sportive jusqu'au jeudi. Et du jeudi au dimanche, ça va être des épaves. Alors, tu les vois avec leur costard, machin, sur mesure et tout. Et ça va être des épaves. Parce que moi, je les ai vus, j'étais avec eux, j'étais chez eux. Tu les vois, vraiment, ce qu'on dit vulgairement, déchirés à l'ouest pendant 3 jours, déprimés, gravement déprimés. Donc, tu passes vraiment... c'est des cycles, et c'est des cycles qui sont courts. C'est des cycles, tu vois, de chaque semaine. Donc même moi, je me posais la question comment même physiquement ils arrivaient. Quoi. Je ne sais pas comment ils arrivent à 60 ans. Avec la drogue, évidemment. Donc beaucoup de boissons, comme je te disais à nouveau, addiction à la boisson. Et comme tout le monde, la grande, grande majorité picole de façon... est alcoolique, du coup, dans le pays où tout le monde est aveugle, je veux dire... Le Bornierois. Le Bornierois. Donc ils ne voient même pas qu'ils sont alcooliques, si tu veux, puisque tout est excuse pour... Pour se mettre la race. Question d'Internet. Oui. Oh là là, je vais être taquin. Vas-y. De Agent Libre. Quel est le problème avec Zoug ? Optimisation fiscale, ok, mais il y a autre chose ? Disons que ça peut être un endroit intéressant pour placer des caisses noires de rétrocommission, si tu veux. Ah. Autre question, est-ce qu'il y a un comité d'éthique en interne dans ce type de boîte ? Dans les cabinets d'avocats ? Oui, c'est ce qu'on appelle, pas d'éthique, mais de KYC. Ils sont censés vérifier qu'on travaille dans la légalité. Alors ça, c'est pareil, c'est un vernis pour les journalistes étrangers, pour l'OCDE, pour toutes les institutions. Mais c'est à mourir de rire. Alors, une question de Saint-Pixel. On lui passe le bonjour d'ailleurs, un humour extraordinaire. Alors, vous précisez, page 105 de votre livre, que la DGSE ancre ses origines dans l'histoire de la résistance et se vit aujourd'hui comme le dernier rempart en cas d'effondrement de l'État. Effectivement. Question, n'y a-t-il pas un problème de perspective entre le PDG culturellement sans attache, fonctionnant au niveau transnational, et la DGSE qui défend un territoire avec une psychologie issue de la Deuxième Guerre mondiale ? Ah oui, ça c'est une très longue question, mais excellente.
Effectivement, il a totalement raison. Quelque part, on a des très beaux idéalistes, à juste titre, qui se considèrent les successeurs de la résistance, mais en même temps, tout ça, c'est du romantisme, parce que légalement, ils ne sont, sont pas le dernier rempart contre le pire. Je veux dire, il n'y a rien qui le dit dans la loi. Et donc je rebondis là-dessus dans le livre, justement, j'en parle, effectivement. Pendant la formation de 3 jours que j'ai par plusieurs personnes de la DGSE, j'ai eu un petit, comment ça s'appelle, des petites présentations PowerPoint, où... d'ailleurs, qui a été fait par le petit Jean, enfin le pseudo que je donne, de la personne qui m'a appris à faire les filatures, où il dit que la DGSE est l'héritier de la résistance, qu'ils utilisent les mêmes techniques, pas que sur la filature, sur beaucoup de choses, et que la DGSE est le dernier rempart contre le pire. Donc c'était assez intéressant, je trouvais, de mettre cette anecdote, si tu veux, parce que ça, c'est pas du tout prévu par la loi. Autre question, y a-t-il un dossier effondrement économique sur le bureau de la DGSE ? T'es peut-être pas au courant de ça. Non, je suis pas au courant de ça. T'as jamais visité le parquet ? Non. Non ? Non. Autre question, les jets privés de Jersey défiscalisés, c'est pour faire quoi ? Valise de cash, on s'en fout. Pardon, désolé pour la question. Ah oui. Comprends-tu que certains puissent penser que tu as été naïf ? Oui, absolument. J'ai proposé mes services à la DGSE, donc j'avais 28 ans. Et je considérais que je pouvais aider mes concitoyens en faisant monter les informations. Mais tu te rends pas compte, t'es pas issu de leur parcours, t'as pas été recruté par eux, ils ont dû halluciner quand t'as tapé leur porte. Ouais, je pense qu'ils ont dû bien rigoler, ils ont dû se taper sur la jambe, ils ont dû bien rigoler. Puis après, ils ont dû se rendre compte qu'ils étaient complètement aveugles, mais bon, après, ça a du moins les fait rigoler. Ouais. Et... attends, excuse-la, du coup... Est-ce que t'étais naïf ? Oui, naïf. Et puis, je pense qu'avec... Bon, au cours des années de travail avec la DGSE, de complexification des questions qui me posaient, des listes de courses, je me suis rendu compte, à juste titre, que les informations que je donnais n'allaient pas servir mes concitoyens du tout. Au contraire, malheureusement, allaient enrichir les milliardaires français et les multinationales françaises, allaient donc accélérer la destruction du tissu social, les inégalités. Et donc, ça m'a énormément travaillé, ça, comme tu t'en doutes. On est en guerre économique. Alors, il faut protéger nos fleurons. Non, et nos milliardaires. Non, ça c'est une excuse évidemment de milliardaires pour se cacher derrière l'opacité, pour faire toutes les magouilles qu'ils ont envie de faire. Et je considère que la guerre économique, elle commence déjà par ces milliardaires qui la font contre nos concitoyens. En fait, la guerre économique, c'est pas tant déjà, c'est les pays étrangers, mais pour moi, c'est déjà ces milliardaires, ces multinationales qui la font contre nous-mêmes. Parce qu'ils utilisent des artifices de droit qui, à mon sens, d'ailleurs, faut se poser la question, quelle est la nature réelle de ce droit ? Est-ce que c'est encore du droit ? Parce que c'est un droit parallèle qui ne sert qu'à frauder. Pour moi, la guerre économique commence avec eux. Alors, je ne suis pas un guerrier, je ne vais pas aller me battre contre eux. Je pense qu'on peut le faire de façon pacifique en faisant des actions juridiques contre eux. Ouais, si tu en reparleras, c'est pour ça que j'ai lancé des actions contre eux. Quoi ? Alors... via le biais de la plateforme avec mon frère, on a attaqué le milliardaire Beignet. Comment il s'appelle ton frère ? Alexandre. Donc Alexandre Naï, comme moi. Et on a attaqué au tribunal de commerce de Paris Emmanuel Beignet, le milliardaire, je ne sais plus, il est dans le top 8, là, top 10 des milliardaires français avec sa famille. Parce que ce grand monsieur, le propriétaire de Lactalis, ne publiait pas la plupart de ses comptes, contrairement à ce qu'il disait dans la presse, en disant... C'est normal, secret des affaires. Tu ne te rends pas compte, tu les exposes. Non, tu as l'obligation, quand tu es genre de société, de publier tes comptes avec le turnover avec qu'il fait. Et en fait, il était en totale illégalité. C'est passé en commission, d'ailleurs parlementaire, et aussi avec Bigard. Et Ruffin, d'ailleurs, était dans cette commission parlementaire. François Ruffin. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, malheureusement, la maison mère de Lactalis, qui s'appelle BSA, et d'autres sociétés ne publiaient toujours pas de compte. Donc on l'a attaqué au tribunal de commerce. Et avec l'avocate, on lui a demandé 10 000 euros d'astreinte jour s'il ne publiait pas ses comptes. Donc il a repoussé, il s'est dépêché de repousser d'une semaine le procès, hein, vite fait, bien fait, quand il a reçu les assignations en bonnet du forme. Et un jour avant le procès, il a publié les comptes. Donc la première fois depuis toujours pour certaines sociétés comme BSA.
Donc ça, c'est une première chose. Il y avait du window dressing dans les comptes ou pas du tout? Alors, je vais... C'est quoi le window dressing? Le window dressing, là, par contre, moi, ça ne me parle pas. C'est pas grave, on reviendra après. Désolé. Continue. Donc, en fait, pour aussi développer un peu sur Lactalis, à l'origine, j'avais été mandaté par la Confédération Paysanne pour enquêter. Donc, j'ai fait un rapport sur les comptes, l'argent qui part vers, en fait, les paradis fiscaux de Lactalis, qui part, en fait, vers la Belgique, puis ensuite le Luxembourg. Donc, j'ai donné un rapport à ce sujet-là, qui a été ensuite transmis au Parquet National Financier, le PNF, qui s'est saisi de ce rapport et a demandé à la DNEF, qui est la Direction nationale des enquêtes financières, de faire une perquisition le 28 juillet dernier dans les locaux à Laval de Lactalis. Alors, bon, je parle de la DNEF dans le livre. C'est des bras cassés. Alors, je ne vais pas dire bras cassés, parce qu'il y a forcément des gens... C'est une question, hein. Non, parce qu'il y a des gens bien, forcément. Mais en tout cas, ce qui est dans le chapitre dans lequel je parle à DNEF, où je les rencontre, quand je leur propose mes services et que je leur donne des informations sur des milliardaires français, ils prennent rien, alors que j'ai des informations extrêmement tangibles sur l'évasion fiscale à grande échelle. Ils me disent « Oui, super, on va vous recontacter. » Écrivez-nous un petit mail. Non, mais j'aurais tout donné en dur, hein, j'aurais donné tous les documents. Il y a un procès verbal là-dessus? Alors, justement, dans le livre, j'en parle, ils ne prennent pas de procès verbal, et tout de suite, ça me choque, parce que moi, je dis tout de suite, donc il y a un boss qui est là avec son subalterne. Comment, c'est quoi son nom? Alors non, on ne va pas dire les noms. Bon, on dit les noms ici. Ouais, alors le boss, il ne s'est pas... En plus, il est payé avec notre argent, non? C'est un fonctionnaire. Non, mais non. En plus, le boss ne s'était pas présenté. Bon, j'ai le nom du subalterne, mais ça ne sert à rien de l'embêter. Je ne veux pas leur donner un petit bâton merdeux, là? Non, je préfère donner un bâton merdeux, comme tu dis, si bien, ou à des milliardaires, c'est-à-dire aux gros puissants, si tu veux. Mais par contre, le chapitre sur la DNEF... Pourquoi tu ne t'attaques pas, je ne vais pas dire au relais, parce que ce serait mal les qualifier, mais pourquoi tu montres pas qui ne fait pas son travail? Ça, je le mets dans le livre. Hein, mais avec des noms? J'ai donné un nom quand même, mais... D'accord, on continue. Ouais, mais je ne veux pas le dire en ligne. Enfin bon. Mais tu vois, je suis tellement enthousiaste que je me perds à chaque fois là-dedans. Donc, on va dire les informations que tu leur as emmenées, pas de procès verbal. Pas de procès verbal, donc... C'est un gentleman agreement. Ouais, c'est ce qu'il me dit. Donc le patron, là, le big boss, me dit, mais non, on ne fait pas de procès verbal, c'est un gentleman agreement entre nous. Je regarde, je me dis, mais attends, c'est bon, quoi, je veux dire, on est en France, dans un état de droit, pas de preuves, pas de traces, super, quoi, je file... des documents qui permettent potentiellement de ramener des centaines de millions d'euros à la collectivité, même pas de traces si je passe. Bon, j'avais pris des petites photos, deux, trois trucs, tu te doutes, en rentrant, parce que voilà, c'est après... La DGSE oblige. Oui, merci, la DGSE oblige. Et puis ensuite, pour être bien sûr que aussi j'ai certaines preuves que j'aurais bien donné les documents, je me suis assuré de... Enfin, de... Qu'on soit... Découvrir tes arrières. Découvrir mes arrières. Donc, ils ont... J'en avais parlé d'ailleurs à Denis Robert, le directeur du média, donc la web télé Le Média. Je suis passé chez lui pour présenter le livre. Ensuite, on a fait une vidéo sur... Bon, là, je digresse un petit peu, là, mais... On a tout notre temps. Sur l'évasion fiscale de BFM TV, donc, qui appartient au groupe Altice avec... Attention, excuse-moi. L'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale de... Pas de diffamation. Oui, attention, oui, les mots. Ma langue a fourché, en fait. Donc l'optimisation fiscale de BFM TV, entre autres, vers le Luxembourg. Avec la web télé Le Média, j'ai donné toutes les informations et j'ai travaillé avec de super journalistes, bon, en plus avec Denis Robert, mais avec Yanis et puis Théophile. Et ils ont mis ça en musique pour que ça soit compréhensible, parce que c'est un peu pénible, c'est un peu chiant. Hein, voilà. Donc on a sorti cette information-là, à propos de ces remontées vers le Luxembourg. Hein, et ça n'a pas été repris par les... Enfin si, ça a été repris par certains médias, mais alternatifs. Et comme Télérama, non? Et par Télérama, bon, qui n'est pas alternatif, mais par Télérama. Et le patron de Next Radio TV, donc c'est la holding dans laquelle il y a BFM TV, qui s'appelle Alain Veil... a dit, à ce moment-là, est sorti de la forêt, en fait, alors que, en disant c'est n'importe quoi, mais en ne répondant à aucun argument technique qu'on avançait, absolument rien, en disant que le CSA, alors mort de rire, hein, que le CSA est au courant de ce qui se passait, y compris des montages. Je ne vois pas ce que le CSA a à faire avec des montages fiscaux.
Le fisc, oui, mais le CSA, enfin bon, bref, il était franchement, excusez-moi, mais moi, on en a rigolé, quoi, franchement, sans... Bercy, je te coupe. Oui. Ils essayent de faire leur boulot, tu trouves qu'ils bossent bien, ils Alors, bossent pas assez... Pour rebondir sur Bercy, donc dans cette vidéo qui a été faite, on a, le média a interviewé un type qui est super, qui s'appelle Vincent Drezet, qui est syndicaliste à Bercy, qui est vraiment tip-top, qui est très technique, qui a montré qu'effectivement, les éléments, l'artifice financier, enfin les structures qui étaient utilisées permettaient de faire remonter de l'argent, que c'était, de l'optimisation fiscale. Et ensuite, à la fin de ce petit reportage, il y a une personne encore de Bercy, dont la voix a été modifiée, qui dit qu'effectivement, ils ont beaucoup de choses concernant l'optimisation fiscale, qu'ils ont énormément d'infos, mais que c'est arrêté à chaque fois par le haut, quoi. Donc ça, j'étais très content et honoré de voir qu'il y a quand même des gens à Bercy qui sont pas contents de ce qui se passe, et qui sont des très bons techniciens, qui veulent faire du bon boulot, et on les empêche de faire du bon boulot. C'est qui on ? Les big boss, les politiques ? Les big boss, les politiques, oui, c'est ça. On. Et donc, pour revenir sur Lactalis, toujours, il y a eu donc, ce rapport, voilà, je crois qu'on a fait le tour, excuse-moi, donc voilà. Après, donc, pour Lactalis, en fait, ça ne va pas s'arrêter là parce que je veux m'assurer que la DNEF fait bien son travail et ne va pas envoyer. Direction nationale des enquêtes financières qui dépendent de Bercy, n'envoie pas cette investigation sur les comptes de Lactalis dans les limbes. Donc on va sortir, je ne vais pas dire qui est derrière on, mais on va sortir à un certain moment énormément d'informations sur Lactalis. J'en viens à la question d'Internet. Qu'est-ce qui garantit votre sécurité aujourd'hui après ces révélations? Les personnes éclaboussées ne pourraient-elles pas vouloir se venger? Ben, la protection, c'est le fait d'être ici. Plus je suis dans les médias, plus c'est aussi tous les amis que je me fais dans des milieux très différents, le monde syndical. J'ai eu la grande chance d'avoir énormément maintenant de syndicalistes avec la sortie du livre qui me contactent. Donc il y a un réseau de syndicalistes très fort qui est en train de se développer. Heureusement. Ouais. Des vrais. Pardon ? Des vrais. Oui, des vrais. Tu comprends pourquoi je dis des oui, vrais ? Oui, on se comprend. Je ne vais pas en parler là, mais on se comprend. Et puis aussi de journalistes. Alors moi, j'ai jamais forcément eu les journalistes dans mon cœur, mais là, je suis obligé de reconnaître qu'il y a des... Pourquoi tu ne les avais pas dans ton cœur ? Alors, parce qu'il y a une certaine presse, je trouve, qui sert vraiment les pompes, c'est le moins qu'on puisse dire, au pouvoir en place, quoi, tu vois. Et ça, quelque part, ils ont une responsabilité dans le côté autoritaire que prend la conduite de l'État. Ça, c'est, pour moi, c'est pas acceptable. Après, t'as plein de journalistes, pas que dans les médias alternatifs, qui cherchent vraiment à faire leur boulot et qui prennent des risques. Et là, je suis vraiment. Il y a un réseau d'amis, de copains, copines qui se développent. Et le but, c'est qu'on puisse, avec aussi d'autres amis, des économistes, des chercheurs en investigation économique, qu'on leur donne un maximum d'informations sur des affaires, mais qu'on leur fasse aussi plus tard, ça c'est prévu, des formations pour trouver l'information dans les bases de données, y compris dans l'open data, comment analyser. Et le but, c'est de démocratiser les révélations. Alors, je ne vais pas me poser en tant qu'inquisiteur. Moi, je ne suis pas là pour dire, je ne suis pas un justicier, dire si c'est bien ou si c'est mal. Et je considère que la forme est aussi importante que le fond quand on révèle des choses. Il faut le faire de façon neutre. Mais il y a tout un réseau de potes qui est en train de se mettre en marche, on va dire en rigolant, de gens qui le font gratuitement, en mouvement, voilà, c'est mieux. Et d'ailleurs, là-bas, petite anecdote, là, en septembre, pendant 3 jours, en Bourgogne, avec des potes, on va se réunir... des économistes, des activistes, pour voir comment on peut s'entraider, comment on peut systématiser les actions. Alors là, c'est plus sur la finance, mais on lance aussi des passerelles dans d'autres domaines, parce que je suis très sensible aussi à la cause animale et à l'environnement. Mais on veut déjà commencer par ce noyau dur, plus les journalistes qui ont un deuxième noyau. Donc la passerelle là-bas qu'on a faite avec mon frère dernièrement, c'est avec L214, l'association... Sébastien, si tu nous entends. Et Brigitte Gauthier, que je remercie. Donc en fait, à l'origine,
Après Lactalis, je me suis dit, bah, autant qu'on continue, je veux dire, quelle grande multinationale est dans l'impunité et ne publie pas ses comptes? Parce que quand je dis impunité, il n'y a personne, l'État ne vient pas les chercher pour les obliger à publier les comptes, alors qu'il y a une commission parlementaire qui leur a demandé de publier les comptes. Je me suis dit, le deuxième qui était dans la commission parlementaire, c'était Bigard, le fils qui avait été donc, du groupe de viande, le premier groupe multinational de vente de viande en France, qui produit, je crois, 70% du steak en France. Et je me suis dit, on va les attaquer, eux, juridiquement, on va les assigner. Donc on les a assignés par trois fois, Bigard, Charal et... j'ai un trou de mémoire. Socopa, je crois. Excuse-moi, oui. Oui, c'est Socopa, c'est ces trois entités-là. Et au tribunal de commerce, donc Quimperlé, Angers et Créteil, pour les obliger à publier leurs comptes. Alors s'il est publié avant, très bien, mais s'il est publié, je prendrai le plaisir de les analyser ensuite et de voir ce qu'il y a dedans. Et d'en parler avec les journalistes. Et ça s'est fait grâce à un partenariat. Alors moi, je suis assez fan de partenariat, ce que j'appelle partenariat informel, avec des amis. Donc là, c'est un partenariat qui s'est fait contre Bigard, grâce à une journaliste, qui est une pote qui s'appelle Inès Leroux, que je salue, qui a sorti un livre dernièrement, une BD très bien faite, qui s'appelle « Les algues vertes, une histoire interdite ». Et puis avec une autre personne qui est lanceur d'alerte sur la viande, qui s'appelle Pierre Inard, qui avait lancé un livre sur l'omerta de la viande. Et qui a une société qui s'appelle Le Bœuf d'Herbe. Oui. Et donc, en fait, c'est Inès qui m'a mis en contact avec... j'ai proposé, est-ce que ça te dit qu'on lance une action parce qu'elle avait suivi Lactalis. Elle m'a dit, ouais, super, je suis partante. Alors au départ, il faut savoir que c'est nous qui payons de notre poche. Par exemple, moi, l'attaque contre Lactalis avec mon frangin, ça nous a pris 3000 euros. Tu vois, tu balances 3000 balles dedans de tes petits sous. Ensuite, comment tu vis maintenant ? Alors, comment je vis ? N'oublie pas le ensuite, hein, d'accord ? Je te coupe un peu. Oui. Comment tu vis ? Qui te paye ? Qui me paye ? Alors, en dehors du bénévolat que je fais dans les actions ou pour certains travaux, pour certains syndicats, il y a des groupes de salariés ou des syndicats qui me mandatent pour faire des rapports d'investigation qui sont ensuite donnés à des avocats, par exemple dans des liquidations frauduleuses ou des choses comme ça, pour demander des dommages et intérêts au tribunal, au TGI, donc tribunal de grande instance. Donc à ce moment-là, moi, comme je fais passer beaucoup de temps, je leur demande, et que c'est utilisé par l'avocat pour, dans les contre-conclusions pour attaquer, je demande à être rémunéré, donc je suis en libéral. Et auto-entrepreneur. En auto-entrepreneur, effectivement. Et j'utilise une partie de ces sous ensuite, moi, pour, avec mon frère, Alexandre, donc pour alimenter mon petit activisme dans des attaques juridiques ou dans d'autres choses. Donc je vis assez... Chichement. Assez simplement, oui. Des enfants ? Non, pas d'enfants, pas de voiture. Pas de toit ? Pas de propriétaire ? Une petite maison ridicule. je vis très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de misérabilisme. Et je prends pas l'avion, et je pars pas à l'autre bout de la planète, et je prends pas de vacances. Enfin, quand je prends les vacances, c'est dans les Vosges où j'habite. Oh, magnifique. Ouais. Revenons à... Voilà, à Bigard. Donc Bigard, donc je suis avec Inès Leroux. Elle me dit, ok, bah, moi aussi, je vais mettre de ma poche, je veux faire l'action avec toi. Et puis elle me dit, tiens, tu contactes Pierre de ma part, peut-être qu'il peut t'intéresser. J'appelle Pierre, il me dit, ok, super, je suis partant, faut combien ? Heureusement, on est une avocate qui fait des prix militants, si tu veux. Donc déjà aussi, ça permet de... Et puis Inès me dit, mais pourquoi tu ne contacterais pas Brigitte Gauthier de L214? Puis je me dis, ouais, super, moi j'adore L214, je les suis et tout. Et j'étais surpris, Brigitte, je lui ai envoyé un petit mémo du projet. Ensuite, on s'est eu plusieurs fois au téléphone, elle a dit, banco, on y va avec vous. Et en plus, très généreusement, elle a dit, on va payer les frais d'avocat et les frais d'huissier sur toutes les actions. Et là, je la remercie. Et ensuite, bon, on a travaillé le communiqué de presse tous ensemble. Et je lui ai dit, bon, ben, quand vous êtes prêt, on appuie sur le bouton vert, on envoie. Bon, autre question Internet. Ouais. Est-ce que tu as la foi quand tu fais tout ça, ou c'est simplement par patriotisme? Alors, non, pas pour tes valeurs chrétiennes ou tes valeurs de ce que tu veux? Alors, j'ai... J'aime bien le... Tu n'as pas d'amis imaginaires ? Non, j'ai pas d'amis imaginaires, désolé. Disons, j'ai la foi, si tu veux,
Je considère qu'on a tous en fait une mission dans la vie. Le but de la vie, c'est de découvrir sa mission. Comme toi, de monter la chaîne YouTube. On a sa mission et une fois qu'on a le plaisir et la chance de l'avoir découverte, d'ailleurs, on le sait très tôt en réalité, on le sait depuis qu'on est presque enfant de ce qu'on veut faire en réalité. Moi, je me rappelle déjà enfant de ce que je voulais plus ou moins faire. Et une fois que tu fais les bonnes rencontres qui te disent « Bah oui, vas-y, grand, si c'est ton but dans la vie, vas-y, porte pas de jugement moral sur ce projet », et ben, t'as plus de peur parce que tu te dis « Mon but, il est défini, je sais où je vais et rien ne peut me faire peur ». Alors, je ne suis pas casse-cou pour autant, je suis vigilant, je ne suis pas une tête brûlée, mais les menaces ou quoi que ce soit, ou les procès, alors là, c'est vraiment... à chaque fois, au contraire, je trouve que c'est très positif. Et c'est une façon de... C'est comme de faire de la boxe, du sparring. Du sparring, c'est une façon de se renforcer, tout simplement. T'as eu des menaces de qui? Des procès de qui? Ah non, pour l'instant, j'ai eu des mini-menaces, genre « on va vous attaquer en diffamation ». Alors ça, j'en ai eu un paquet. Hein. Par qui? Alors, qui m'a dit ça dernièrement? Alors, dernièrement, ouais, c'était pour un petit truc, donc je vais pas en parler, parce que ça en vaut pas la peine, disons... Ah oui, Lactalis m'avait dit qu'il allait m'attaquer en diffamation. Quand j'avais sorti l'article dans Marianne, enfin c'est moi qui ai donné avec Laurent Valdiguier, on avait sorti enfin, quelque chose. Il va vous attaquer, machin. Bon, bah, les 3 mois sont passés, grand, il n'y a toujours pas eu d'attaque. Enfin, ça fait 2 ans, je crois, ou 1 an et demi. Donc il y a des grands groupes comme ça qui disent on va vous attaquer. Il y a eu qui d'autre dernièrement, à part Lactalis? Je peux plus te dire, mais bon. Ok, donc revenons à la foi, à oui, ta à la motivation. Foi. Donc, une fois que tu as cette foi, oui, enfin, c'est une foi, mais sans aller à l'église, ou sans être à la mosquée, ou sans aller à la synagogue, si tu veux. C'est une foi qu'il y a quelque chose de grand qui est là, qui nous dépasse, et puis qu'on est tous des... Alors, je vais peut-être faire rire les gens, mais qu'on est des frères humains, et qu'on est là pour s'entraider, moi, là-dessus. C'est peut-être ça, être français, non? C'est peut-être ça, être humain, en réalité. Ça serait intéressant d'arriver à ça en tant qu'être humain. Alors, autre question d'Internet. Est-il tenté de rejoindre Tracfin? Non. Non, non, là, non. Alors, pour leur donner des coups de main, pourquoi pas, s'ils viennent frapper à la porte et qu'ils me disent... Non. Il me fait comme ça. Non. Enfin, pourquoi pas, hein, allons-y. Je veux dire, ça permettrait de financer d'autres actions juridiques. Mais... S'il y a des administrations qui me demandent de l'aide, oui, avec plaisir, ou à me voir, ou à faire des rencontres, pas de souci. Comme je te dis, je suis dans des partenariats informels. S'il faut donner un coup de main pour aider les concitoyens, allons-y gaiement, il n'y a pas de souci. Donc pourquoi pas Tracfin, s'ils veulent. On arrive bientôt à la fin de notre interview. Tu m'avais dit que tu parlais pas beaucoup. Ouais, bah, c'est ça qui est bizarre, hein. C'est le problème des grands timides, ça parle pas beaucoup, puis tout d'un coup, ils se mettent à... Je regarde, je suis en train de regarder un peu les questions qui sont passées. Le comité d'éthique, on en a passé. On fait beaucoup de clins d'œil dans le chat des questions, les gars. On va revenir sur le fiducial. Une question d'Internet. Peut-il nous parler de la société fiduciale? Peut-être encore. Alors, pour fiducial, donc oui... Alors non, je ne vais peut-être pas trop développer, pour certaines raisons, mais ce que je peux dire, c'est que dans un des autres projets aussi, un petit projet alternatif qui est en train de se monter, que je paye auprès d'une infographiste, on va sortir des grandes fresques d'une quinzaine de milliardaires français et de multinationales, où donc c'est assez joli, je pense, et je mettrai pas que en exposition, mais aussi sur les réseaux sociaux, pour voir comment l'argent circule, on va dire. Et donc, la fiduciale sera dedans. Si je dis le renseignement, c'est un métier de roi fait par des truands, est-ce que ça te parle? Oui, tu l'avais déjà dit à Alain Juillet, non? Si je ne me trompe pas. De roi fait pour les truands. Fait par les truands. Par des truands. Oui, ça me parle. Mais je n'ai pas d'autre chose à dire, oui, ça me parle. Ton état psychologique, est-ce que tu as autre question d'Internet? Est-ce qu'il n'a pas l'impression d'être schizophrène? Non. Par contre, j'en parle dans le livre, à un moment donné, quand j'étais sur Jersey, j'ai fait un burn-out, parce que j'étais, quand tu es en roue libre, comme ça, entre guillemets,
tu passes ton temps à travailler et à côté, tu passes encore ton temps à travailler pour collecter. Donc, à un moment donné, ça faisait un peu trop. Donc c'était le moment où je me suis remis en cause. Et aussi, c'était un questionnement qui a permis de me dire il faut que je quitte la finance et le renseignement qui n'apporte rien. C'est pour ça que je suis revenu en France pour aider directement les salariés ou les syndicats ou les personnes qui ont besoin d'aide. Autre question, tu vois l'avenir du monde financier comment ? Est-ce que tu penses qu'on va au carton ? Est-ce que tu penses que... on est en état d'apesanteur quand Christine Lagarde dit que la BCE va pouvoir parer. Pour moi, c'est vraiment secondaire. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est vraiment important, c'est la crise écologique qui va nous mettre tous à genoux là. La crise financière, pour moi, c'est voilà, c'est il y a la crise. Il y a trois crises en réalité qui sont là. On est dedans. Même si il y a la crise écologique qui est là, hein, on le voit. Même ceux qui veulent pas la voir. Et la crise sociale. Qu'on essaie de cacher avec certains médias et avec Macron, mais qui est là et qui n'est pas qu'en France. On la voit pareil à Hong Kong et dans plein de pays autour du monde. Et puis il y a la crise financière qui va commencer à pointer. Après, je ne peux pas dire quand est-ce qu'elle va arriver, parce que moi, je ne peux pas prédire ce genre de choses. Pas grand monde peut le faire. Tu n'as pas de boule de cristal. Voilà, je n'ai pas de boule de cristal. Mais c'est fort probable que ça soit extrêmement violent, comme le disent maintenant la majorité des économistes, comme le dit un type qui est super... Gaël Giraud, que tu as invité ici, vraiment, que j'ai eu plaisir à découvrir. J'ai regardé depuis plein de vidéos à son sujet. Très bien. Ouais. Un jésuite. Voilà, justement. Alors là, typique de... plus très calme et tout ça. Alors, vraiment, super. Autre question d'Internet. S'il considère vraiment l'État en slip, pourquoi bosser avec lui ? Pourquoi bosser avec lui ? Ah non, mais c'était au départ. Moi, je ne pensais pas que l'État était en slip. Au départ, moi, j'avais la vision. L'État est super fort. Tu vois, on te nourrit à ça dès l'école. Enfin bon, hein, voilà, c'est ça exactement. autre question. Est-ce que la DGSE lui a fourni des plans de secours pour se préserver de sa sécurité ou même financièrement si les choses tournaient mal ? Non, non. Non, juste les... Juste, ben, si dans l'itinéraire de sécurité, comment s'extraire, si on est suivi, des choses comme ça. Mais non, pas de protection particulière. Alors, avez-vous des avis sur General Electric, Alstom ? Oui, je rencontre d'ailleurs, notamment ce sujet, mais aussi un autre, Ascoval, demain le secrétaire général du PCF, Fabien Roussel. Et on va parler de ça ensemble, j'ai des éléments... Alors, sur General Electric, déjà les syndicats certains partis politiques ont vraiment toutes les infos. J'ai été... sur Ascoval, ce n'est pas encore le cas, donc je vais partager ça prochainement. Pour General Electric, j'ai eu la chance d'être invité par une personne de l'intersyndicale prochainement. Donc, comme c'est pas loin de chez moi, c'est Belfort, moi, Besançon. Enfin, je suis dans les Vosges, mais je suis très, très souvent à Besançon, puisque c'est mon lieu d'origine. Et donc je vais les rencontrer prochainement pour qu'on discute justement d'intelligence économique et qu'on peut-être essayer de les aider, de voir ce qui peut être fait. L'école de guerre économique, non, ils t'ont proposé de faire prof là-bas, non ? Tu rigoles avec mon profil, ouais. Non, ils m'ont pas contacté, non. Non, ils m'ont pas contacté. Alors, autre question Internet. Alors, allez pas trop vite, les gars. Comment il fait pour garder cette naïveté, entre parenthèses, tout à son honneur, merci, avec tout ce qu'il a vu et ne pas être désabusé ? Bah parce que j'ai pas envie d'être dans le misérabilisme et que je rencontre plein de personnes incroyables, en fait, qui sont totalement exceptionnelles dans des milieux totalement différents. Chez les ouvriers, chez des cadres, chez des agriculteurs, des syndicalistes, enfin un peu partout. Et ça donne chez aussi les polytechniciens, j'en ai rencontré un à midi. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a un véritable réseau, en fait, qui est en train de se mettre un peu dans le silence de ces gens-là, qui commencent à, je ne vais pas dire à rentrer en résistance, mais il y a un peu de ça quand même. Et je suis extrêmement positif. Et puis, je vois aussi, par exemple, que tout... je parle un peu d'autre chose, là, je passe un peu du coq à l'âne, mais par exemple, ma petite maisonnette dans les Vosges, maintenant, au départ, maintenant, il y a une trentaine de potes dans les alentours, de gens qui viennent d'Alsace, de jeunes de 25 à 40 ans, enfin,
Voilà, tu vas avoir des copains à DGSI, toi. Et qui viennent d'Alsace, de Suisse ou même d'ailleurs, qui se disent on veut plus vivre dans ce système de fous, qui se mettent à faire du maraîchage, qui se mettent à être dans l'entraide, à devenir artisan, à être, par exemple, conducteur de camion, mais à vivre autrement. Donc, si tu veux, en même temps, je suis extrêmement positif quand je vois ces réseaux qui sont en train de se former de journalistes, de chercheurs, de syndicalistes, d'ouvriers, de gilets jaunes. Parce que moi, je soutiens à fond, évidemment, les gilets jaunes et aussi le fait qu'ils se battent pour la justice fiscale. Il y a des super gilets jaunes à Besançon, ils font un gros boulot. Donc, je suis très positif. En fait, on est vraiment aux prémices de quelque chose de nouveau. Tu penses ? Je pense, oui. Autre question Internet. Les gestionnaires de fortune suisse avaient vu la crise de 2007 venir, dès 2007. En sortant les fortunes de l'immobilier, est-ce que les gestionnaires de fortune ne sont pas un indicateur de l'avis des cercles financiers avertis ? Alors là, j'aurais peur, si tu veux, de dire quelque chose de trop généraliste. Donc, oui, t'es pas obligé de répondre. Voilà, je n'ai pas suffisamment d'éléments techniques pour apporter. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu vois des choses à aborder en plus ? Non, peut-être pour une autre fois. De tradition, oui. On demande de laisser un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, quelque chose qui pourrait être impérissable. Quelque chose qui pourrait être impérissable, bah, tout simplement. Et trois bouquins. Ah, tout simplement l'amitié, c'est-à-dire le contraire de la domination, tout simplement. Donc l'égalité, l'amitié, il faut y croire, elle a une véritable importance. Et sur les trois livres. En fait, c'est presque des livres de résistance qui me viennent tout de suite. Au nom de tous les miens, de Martin Gray, résistant juif du ghetto de Varsovie, que j'ai lu des centaines de fois quand j'étais enfant et adolescent. Un sac de billes, de Joseph Joffo. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Après, il y a plein de super livres de gens comme Monique Pinson-Charlot, qui aussi, qui permettent de... Il y a tellement de livres intéressants. Disons que c'est déjà ces deux livres-là. En termes de résistance et puis de foi, quelque part. Si tu retournes à Jersey, il te fout ton taux. Ah non, je ne vais pas à Jersey. Déjà, pour la petite info, là, si on a encore quelques secondes, c'est sorti. Il y a eu un gros scandale avec Jersey. Jersey a. En fait, bon, j'ai fait un peu. J'aime bien titiller. J'ai fait un pied de nez. Avec le Jersey Evening Post, un journaliste, on a sorti 4 articles sur le fait que j'avais espionné chez eux et au Luxembourg. Et ça a fait la une pendant 4-5 jours. Ça a été un scandale là-bas. Le gouverneur de Lille a dû sortir un communiqué de presse en disant que le livre n'allait pas arrêter les bonnes relations entre la France et Jersey, qu'il n'y aurait pas d'investigation, qu'on allait calmer le jeu. Puis ça a été un tel... Il y a tellement des gens de la finance qui ont été pas contents qu'il a dit « bon, il y aura quand même une enquête policière ». Mais dans Jersey, non, c'est hors de question que j'y retourne. Et tu vois, même pour la promotion du livre, à un moment donné, je suis allé en Belgique. Ça a été super avec les copains belges là-bas de Bruxelles. Et je ne serais jamais allé au Luxembourg. Il y a eu un journaliste de Luxembourg qui était très sympa, d'un journal d'investigation qui est venu à Bruxelles pour me rencontrer. Ouais, ils vont chercher à te coffrer, quoi. Bah, je ne veux pas prendre le risque, en tout cas. Bon. Maxime Reynaï, bon, merci beaucoup. Je t'en prie, avec grand plaisir. Merci pour l'invitation et de vous avoir rencontré. Merci. Coupé.